Nous avons le bonheur de commencer cet ensemble d'intervenants. Et donc, l'idée que j'ai eue pour répondre à la question, c'est d'une part de vous donner un aperçu d'ensemble de ce qu'est cette école, en fait, qui n'est pas tellement connue. Je m'en aperçois, en fait, tous les jours. Donc, je vais d'abord vous faire un large brossage, si vous voulez, de l'évolution de l'école des origines à aujourd'hui. Rassurez-vous, je ne rentrerai pas dans les détails, mais évidemment, j'essaierai de mettre l'accent sur les changements importants qui permettent de comprendre et d'expliquer ce qu'est devenu l'école aujourd'hui. Et dans un deuxième volet, là j'aurai un regard, disons, moins historique, si vous voulez, sur l'établissement, qu'un regard concret, en fait, par rapport à l'expérience qui a été la mienne de directeur des études. Et là, je prendrai une espèce d'étude de cas, c'est-à-dire je vous indiquerai là aussi à grands traits le type d'évolution qui a été apporté, moi, quand je suis intervenu au titre de directeur des études, c'est-à-dire dans les années 80, suite aux évolutions extrêmement importantes que l'école a connues après 68. C'est-à-dire que mon rôle a consisté, en quelque sorte, à essayer d'organiser, de mettre de l'ordre, de donner une lisibilité et de permettre à l'école qui était devenue très protéiforme la possibilité qu'elle avait de continuer à fonctionner. Donc je vous dirai à grands traits finalement ce qui a été modifié tout en conservant ce qui était l'apport essentiel, cette richesse de propositions qui a caractérisé l'école après 68 et qui lui donne son visage actuel. Donc premier volet, c'est grand aperçu en fait de l'école qui, quand elle a été créée à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui puisque c'est sous Louis XV, elle s'appelait l'École royale de Dessin. Et donc elle a été créée en 1767, donc on est cette année, je vous disais, de 250e anniversaire de cet établissement. Donc ce n'est pas une date tout à fait anodine. Et donc l'idée, c'est de vous donner les moments principaux. Et donc, par rapport à ces moments principaux, les évolutions de la pédagogie, parce qu'en même temps qu'il y avait évidemment l'évolution de la pédagogie, il y avait une évolution de la finalité même de l'école. L'école qu'on connaît aujourd'hui n'avait évidemment rien à voir avec l'école telle qu'elle a été conçue par son fondateur, qui est Jean-Jacques Bachelier, qui était un peintre du roi, qui donc a créé cette école à la fin du XVIIIe siècle. Alors Jean-Jacques Bachelier, c'était une personnalité intéressante, c'était le peintre du roi, c'était un peintre de fleurs au départ, qui est devenu en fait peintre d'histoire, parce que comme vous le savez, au niveau de l'académie, au niveau du statut des peintres, le peintre a un niveau plus ou moins important selon le type de sujet auquel il se consacre. Évidemment, un peintre de fleurs a une notoriété, une importance moindre qu'un peintre d'histoire, qui est le sommet, en quelque sorte, de la hiérarchie académique. Et Bachelier, donc, qui était peintre du roi, devenu en fait, parce qu'il a fait une œuvre qui était une œuvre d'histoire, mais il en a guère fait d'autres, était d'abord aussi en fait responsable des travaux à la manufacture de Sèvres. Et c'est parce qu'il était responsable des travaux à la manufacture de Sèvres qu'il s'est aperçu qu'il avait beaucoup de mal à trouver des ouvriers, c'est-à-dire des gens compétents, susceptibles de pouvoir matérialiser, concrétiser les modèles qui étaient conçus en fait par les peintres de l'Académie. Et il a fait une première école en fait au sein de la manufacture de Sèvres, et il a donc envisagé de façon plus large de créer cette école qui est devenue l'École royale de dessin, parce qu'elle a reçu dès 1767, lui il l'a ouvert en 1766, les lettres patentes du roi qui a en quelque sorte validé, concrétisé cette création. Le deuxième volet, on va le voir, c'est à partir de 1830, je reviendrai sur ce point rapidement. Évidemment, cette école telle qu'elle était conçue par Bachelier a évolué de fait parce que la réalité historique, en quelque sorte, sociologique dans laquelle cette école s'est développée a elle-même évolué. Et les élèves qui finalement étaient contraints de ne faire que de la copie aspiraient à faire quelque chose d'un peu plus compliqué, d'un peu plus libéral, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qui supposait une partie création plus importante. Donc c'est là où il y a un passage entre ce qu'on appelait les arts mécaniques. Alors là, j'utilise volontairement le terme art mécanique,
parce que c'est le terme même que Bachelier utilisait pour justifier le fait que son école avait pour vocation de former des ouvriers et non pas des artistes, même si le mot « artiste » d'ailleurs est un mot qui, à la fin du XVIIIe siècle, commence à s'imposer, mais qui n'était pas non plus le mot tel qu'on le connaît tout à fait aujourd'hui. Donc c'est une période, effectivement, où les idées qu'on peut se faire de ce qui s'enseigne et de pourquoi on l'enseigne, etc., est aussi en train de changer. Donc les arts mécaniques, c'est quelque chose où on ne vous demande rien d'autre que de savoir faire ou refaire ce qui existe déjà. L'artiste libéral, lui, a une vocation, en quelque sorte, de pouvoir inventer. C'est-à-dire qu'à côté de quelque chose qui existe, de pouvoir apporter, en quelque sorte, sa contribution à l'édifice. Et donc, cette notion d'art libéral, en fait, c'est cette notion qui sous-tend le fonctionnement de l'Académie des Beaux-Arts, qui est l'institution qui a le privilège, en quelque sorte, de porter au plus haut, finalement, cet art libéral, qui est dans sa vocation, puisque finalement c'est la fondation de l'Académie qui est construite au XVIIIe siècle, c'est pouvoir présenter le mieux, le meilleur de la création artistique, et donc de la création. Et avec l'évolution sur laquelle on va revenir tout à l'heure, c'est qu'évidemment cet art libéral va avoir tendance à s'autonomiser en quelque sorte et de ne répondre à d'autres finalités qu'elle-même. Comme là aussi ce qui se produit à la fin du XVIIIe siècle avec cette nouvelle notion de l'esthétique, c'est-à-dire une finalité sans fin. Et on est dans un contexte où il faut avoir l'encyclopédie en arrière-plan, il faut avoir l'émergence en fait des ouvrages de Kant. Enfin, bon, on est dans une période où effectivement toutes ces notions-là sont en train d'évoluer. En tous les cas, pour ce qui est de l'école, ce passage va se faire des arts mécaniques aux arts libéraux, avec le fait qu'évidemment c'est un changement de statut, mais en revendiquant un statut supérieur, elle ne vise néanmoins pas à mimer ou à prendre la place de l'école des Beaux-Arts, puisque elle va faire en sorte de continuer à répondre à des finalités pratiques, utiles. Le « utile », c'est un mot qui va se répandre d'une façon extrêmement importante dans cette période-là. Et la troisième période, c'est la prise de conscience effectivement que l'école a une personnalité propre à développer sur un statut qui serait équivalent à celui de l'école des Beaux-Arts, mais avec une finalité qui lui est propre et qui lui importe en quelque sorte de construire. Donc ça, c'est l'idée en fait des arts industriels, qui va être une des caractéristiques aussi, un des éléments importants. Et l'arrière-plan qu'on peut avoir pour aussi expliquer le contexte favorable de cette évolution, c'est évidemment les expositions universelles, qui vont aussi contribuer à faire que cette nouvelle approche de l'art va pouvoir se développer. Donc le troisième point, c'est que l'école va se construire un programme d'enseignement concerté. C'est-à-dire que jusque-là, on peut dire qu'on s'inscrivait à l'école en fonction des enseignements sur lesquels on voulait trouver une amélioration. Et on passait des concours, et c'était en fait l'obtention du concours qui vous donnait en quelque sorte le grand prix 2, etc., et qui validait la compétence que vous aviez acquise. Alors que là, progressivement, en fait, il va falloir suivre des cours, même ceux qu'on n'aime pas bien. Nous, on connaît ça tout le temps, hein. Aujourd'hui, vous inscrivez à l'école, vous êtes là pour le dessin, vous obligez à faire des sciences humaines, alors c'est quand même terrible. Donc voilà, c'est de dire que là, on a une formation qui n'est pas une formation simplement dans ce qui plaît, dans ce qu'on voudrait développer, mais que pour développer ce qui plaît, il faut aussi acquérir d'autres enseignements à côté. Donc ça, c'est cette phase-là qui me semble assez importante et qui va caractériser donc toute cette partie. Alors là, j'ai mis 1867, c'est une erreur, c'est 1877, parce que la date que je vais vous donner tout à l'heure, c'est le moment où l'école prend le nom que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'est des enseignements concertés, et à partir de là, on va revoir, à partir du milieu, au début du XXe siècle, en même temps que les arts décoratifs s'imposent, va se jouer au sein des arts décoratifs une espèce de débat entre en fait les tenants de la tradition,
c'est-à-dire les arts décoratifs tels qu'ils se sont construits à partir finalement de ses origines. Et puis ce nouveau mouvement que vous connaissez bien, parce que finalement c'est celui qu'on a retenu au niveau historique, c'est celui de la modernité. C'est-à-dire en fait l'intervention de nouvelles techniques, de nouveaux moyens de production, et surtout l'idée que les arts décoratifs ne sont pas faits pour une clientèle particulière, mais à vocation en quelque sorte de changer la société et de s'adresser à tous. Donc c'est ça le débat en fait qui va conduire jusqu'aux années 68. Et après 68, là la rupture qui, on va le voir, a été préparée par quelques éléments avant, qui est l'introduction de ce qui, après la Seconde Guerre mondiale, va devenir l'esthétique industrielle, et qui, en quelque sorte, s'est transformée dans les années 60 et 70 en design. C'est-à-dire, le design, c'est aujourd'hui, en quelque sorte, l'horizon à partir duquel l'enseignement de l'école se développe. Donc voilà, ça, c'est la quatrième partie. Alors, j'ai déjà anticipé ce que j'avais un petit peu choisi de développer par la suite. Je prends une petite pastille parce que comme je sors d'une bronchite, ça s'assèche quand je commence à parler. Alors, juste là pour vous donner quelques éléments de ce qui constituait le bagage de la formation. Donc, dans la première partie dont je vous ai parlé, qui reposait essentiellement sur la copie. Le but donc étant de former des exécutants habiles, la base de la formation, c'était des rudiments de géométrie. Encore quand je dis rudiment, j'ai regardé un peu les programmes, ça allait à des connaissances au niveau de la géométrie qui n'est, moi, que je trouvais assez poussées par moment au niveau de l'organisation, la structure, la construction des formes, etc. Et puis de la copie de gravure, c'est-à-dire que l'élève avait une gravure devant lui et en fait il devait recopier la gravure telle qu'elle était. Donc, une capacité de reproduction, c'est-à-dire d'habileté. Donc l'habileté, ça aussi, c'était un des traits dont vous sentez bien qu'au niveau de l'arrière-plan de la modernité, c'est quelque chose qui travaille la modernité. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette idée que l'habileté, c'est quelque chose qui finalement se travaille et qui tourne en rond, en quelque sorte, c'est-à-dire qui se répète. Donc quand on ne veut pas la répétition, finalement, on essaie de trouver quelque chose qui, justement, déconstruirait l'habileté. Enfin, des choses de cet ordre-là. On voit quelques axes qui s'expliquent par l'histoire. Donc, il y a trois genres, parce que au niveau de l'ancien régime, au niveau de l'académie, en fait, le fonctionnement se fait sur le découpage se fait sur les genres. Donc, le premier genre, c'est l'architecture, géométrie et architecture. Deuxième genre, fleurs et ornements. Et troisième genre, figures humaines et animaux. En fait, ce sont les principaux éléments, les motifs que l'élève, en fait, aura à l'élève. Je dis l'élève, le mot n'est pas approprié. L'ouvrier aura à refaire, étant entendu qu'ayant passé cette école, il a vocation à rentrer en apprentissage et à devenir un maître ouvrier par la suite. Et l'un des intérêts de l'école aussi, entre autres, c'est que pour ceux qui ont obtenu des grands prix qui se passaient à la fin de l'année, il recevait une bourse qui les dispensait en fait de payer l'entrée en maîtrise, parce que finalement l'entrée en maîtrise supposait qu'on paye quelque chose, et là l'école payait à la place. Donc c'était quand même aussi un avantage assez intéressant. Donc voilà pour ce qui est du socle en quelque sorte de l'école. Le deuxième moment, c'est qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais surtout au début du XIXe siècle, sans doute accéléré aussi par la suppression des corporations, par aussi la Révolution française, par tout simplement l'évolution des idées, les élèves qui suivaient les cours, ils disaient c'est bien de répéter, mais ceux qui sentaient un peu des dispositions plus importantes, ils éprouvaient le désir de faire de la ronde-bosse, c'est-à-dire de recopier des modèles en trois dimensions, d'observer les modèles réels, et puis évidemment l'apothéose de tout ça, c'est évidemment de pouvoir faire d'après le modèle vivant. Mais le modèle vivant, c'était l'apanage exclusif de l'Académie. Et l'Académie était fort jalouse de ses prérogatives, et il n'était pas question qu'elle voie une autre école, finalement, lui prendre ce qui faisait, finalement, sa spécificité. Donc, il y a eu des bisbises entre l'Académie et l'école, pendant toutes ces années,
et Bachelier et le successeur à maintes reprises a écrit en disant qu'il n'est pas question pour l'école d'avoir d'autres prétentions que celles de former des ouvriers, etc. Mais malgré tout, on a bien vu de façon indirecte, à travers des témoignages, que la ronde-bosse avait réussi à s'insérer dans l'école. Mais ce processus va devenir véritablement revendiqué et devenir une des composantes de l'école qu'à partir de 1830, c'est-à-dire au moment où un directeur qui s'appelle Hilaire Belloc lui considère qu'effectivement, qu'il n'y a pas de raison que l'école, même si elle n'a pas les mêmes finalités, ne puisse pas apporter une formation plus poussée, plus pointue à ses propres élèves. Et lui, il décide donc d'introduire le dessin d'après la ronde-bosse officiellement. Hein, parce que là, il faut, entre ce qui est officiel et ce qui était officieux, en fait, ça avait commencé plus tôt, mais ça n'avait pas été reconnu comme tel. Dessin de la plante vivante, ça aussi c'est un élément extrêmement important, puisque, comme vous le savez, enfin, c'est une des hypothèses par rapport à l'évolution aussi de ce qui se passe dans ce 19e siècle, l'évolution de l'éclectisme jusqu'à ce qui va devenir l'art nouveau à la fin du 19e siècle, ça va être quand même l'intérêt qu'on peut avoir de se ressourcer à partir de l'observation de la nature. Et puis aussi le modelage, c'est-à-dire que d'être capable à partir du modèle de le reconstituer en trois dimensions. Et le modelage, c'est un élément important parce que beaucoup, en fait, des artisans qui sont là sont par ailleurs peuvent être des gradeurs, des graveurs, des ornementistes, donc travailler eux-mêmes en trois dimensions. Aussi le dessin d'anatomie. Donc le dessin d'anatomie, là, ça dit bien aussi qu'évidemment, on veut comprendre ce qu'on a sous les yeux, comment ça fonctionne, indépendamment de la surface des choses, comprendre comment finalement les muscles s'attachent, comment les os se fonctionnent les uns par rapport aux autres, etc., etc. Et puis, ça c'est une innovation quand même de l'école, le dessin de mémoire. La capacité finalement à dessiner quelque chose en utilisant sa mémoire. Avec l'idée évidemment dans l'esprit de Lecoq de Bois-Baudran qui est finalement le grand initiateur de cette technique-là, qui d'ailleurs avait été reconnu par l'Académie, hein, il n'y avait pas de concurrence et on trouvait qu'effectivement que c'était une heureuse innovation, comme disait Viollet-le-Duc, une des plus importantes de son point de vue. Donc ça avait été apporté par l'école. Donc on voit bien que l'école, en quelque sorte, met en branle un certain nombre de savoirs visant à perfectionner la connaissance des formes à partir d'une responsabilité, en quelque sorte, individuelle, donc du créateur, entre guillemets, hein, quelle que soit la signification qu'on met à ce mot-là. Et puis également un cours d'histoire de l'ornement, c'est-à-dire qu'en fait, on comprend d'où viennent les choses, qu'on introduit donc l'arrière-plan historique, la relativité des formes, donc un savoir, vous voyez, où le libéral, comme on disait dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire en fait la capacité d'utiliser sa réflexion, n'est pas dissociée de la capacité à savoir faire les choses. Donc libéral et mécanique, d'une certaine façon, se mêlent. Et d'une certaine façon, ces vieilles notions-là vont progressivement tomber. Elles vont tomber parce qu'on va voir, va s'imposer une autre orientation qui va être celle, en fait, née aussi par l'industrialisation, au sens large, c'est-à-dire, en fait, la fabrication de modèles et la question de savoir, finalement, qu'il y a des nouveaux objets à produire et que, finalement, il faut que les artistes se mettent un petit peu... à l'œuvre pour répondre à ces nouveaux défis. Donc, c'est cette évolution, en fait, qui se produit pendant toute cette première moitié du 19e siècle, et dont le point culminant, en fait, c'est la reconnaissance, l'introduction du modèle vivant. En fait, la réticence quant à la reconnaissance du modèle vivant était plutôt idéologique qu'autre chose, puisque finalement, le modèle vivant, ça voulait dire que l'école, finalement, se met exactement sur le même pied que l'école des Beaux-Arts. Parce que l'école des Beaux-Arts, je ne sais pas ce que ils vous diront, mais que l'école des Beaux-Arts a toujours eu beaucoup de mal. Non pas l'école des Beaux-Arts en tant que telle, mais que comme derrière les Beaux-Arts, c'était la présence de l'Académie qui, en quelque sorte, soutenait cette institution, c'est un défi de cet ordre-là. Alors je pense que l'école des Beaux-Arts, vous raconteront un petit peu toutes les vicissitudes de ces années 50-60 avec...
ce que Viollet-le-Duc, qui vient de l'école, la petite école, comme on disait à l'époque, à l'école des Beaux-Arts, a essayé d'introduire avec la question des ateliers, la question aussi, justement, je l'évoquais tout à l'heure, des expositions universelles, qui me semble un élément important par rapport à ça. Donc, ces transformations, donc vous voyez, ça occupe toute la moitié du 19e siècle, et c'est un moment aussi où la question de savoir comment on nomme ce qui est en train de changer et en train de s'accomplir se pose. Hein, en fait, c'est la notion d'art industriel qui apparaît à ce moment-là, ou l'autre formule qui est aussi est souvent appliquée à ce moment-là, c'est beaux-arts appliqués à l'industrie. Vous voyez, ces deux idées du travail et de la pensée. De l'art, en fait, qui est le summum de cette affaire-là, et la question que, bah oui, mais il faut que cette finalité trouve en quelque sorte un débouché dans la réalité sociale. Et là, je vous ai mis, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc ça se concrétise par rapport aux changements d'appellation qui ont été nombreuses pendant, vous voyez, ces 20-30 années. En 1820, elle s'appelle encore École royale et spéciale de dessin et de mathématiques appliquées aux arts mécaniques. Donc là, on est encore dans une perspective d'ancien régime. Mais en 1943, donc au moment de la restauration, École royale et spéciale de dessin et de mathématiques appliquées aux arts industriels. Quelques années plus tard, en fait au début de la Seconde République, École nationale et spéciale de dessin de mathématiques, d'architecture et de sculpture d'ornement pour l'application des beaux-arts à l'industrie. Donc vous voyez, les beaux-arts, là, art industriel. Donc voilà, simplement à travers cette question de mots, de terminologie, de voir comment se fait cette évolution visant donc à la formation d'artistes utiles. Donc cette formation d'artistes utiles, en définitive, trouve en quelque sorte sa concrétisation, sa cristallisation, dans le terme art décoratif, qui va être le terme qui va être retenu en 1877 pour, ouais, j'ai encore, je ne sais pas pourquoi je me mets, c'est 1767 et 1867, je veux que ça se fasse par centaines, mais non, là c'est 110 ans. Donc c'est École nationale des arts décoratifs en 1877 jusqu'à finalement École nationale supérieure des arts décoratifs, qui est la période qu'on va voir, c'est-à-dire que la reconnaissance de l'enseignement supérieur, effectivement, de cette institution, et qui arrive en 1926. En 1926, évidemment, au moment où les arts décoratifs sont au summum, en quelque sorte, de leur reconnaissance. Donc, quelques petits points, si vous voulez, pour accompagner concrètement dans le programme des études comment se fait cette évolution. En 1877, donc, elle prend... Alors là, il y a un nouveau directeur qui s'appelle l'ouvrier de la Jolette, qui va jouer un rôle très important, parce que lui, il est persuadé qu'effectivement, il faut que l'école, si elle existe, qu'elle ait un programme complet d'enseignement, et qu'elle ne juxtapose pas des formations les unes à côté des autres, mais qu'elle offre un programme complet permettant à l'élève qui essaie les arts décoratifs, en quelque sorte, d'avoir une formation complète. Donc, il introduit à partir de 1878 des cours obligatoires. Donc, vous voyez que là, on est dans une autre formule. On n'est plus dans une formule d'atelier où on va voir ce qui nous intéresse. Là, si on s'inscrit à l'école, c'est qu'on suit l'ensemble du cursus, en quelque sorte, de cette école. En 99, il met également un examen d'admission. En fait, l'examen d'admission, il était plutôt parce qu'il y avait trop d'élèves. C'était pas tellement pour sélectionner, mais c'était finalement... comme on est un petit peu contraint aujourd'hui, où on a je ne sais pas combien, 2500 élèves pour retenir 70, bah vous faites un concours. La question de savoir est-ce que le concours est adapté à ce que vous voulez sélectionner, ça c'est une autre question qui est d'ailleurs extrêmement importante, mais bon. Donc examen d'admission. En 1907, création d'ateliers d'application. Ça aussi c'est un élément important, on ne peut pas rentrer là dans les détails, mais ça voulait dire aussi que le concepteur, quand il dessine quelque chose, à partir du moment où cette chose doit se concrétiser dans une ou plusieurs techniques, doit avoir un minimum d'intelligence de la technique. Comme là, on a moins affaire à des ouvriers, comme c'était le cas avant, puisque d'une certaine façon, avant, il était ouvrier dans ce domaine et il connaissait le domaine. Donc, si vous voulez, cette partie-là ne lui manquait pas. Mais là, comme on commence
d'une certaine façon avec une culture générale. Il ne s'agit pas de dessiner comme ça, puis de se dire, tiens, je vais le faire en pierre, ou je vais le faire en fer, ou je vais le faire avec telle ou telle technique. Il faut quand même qu'il ait une idée des contraintes du moyen d'expression. D'où l'idée d'introduire des ateliers d'application, ce qui n'est pas, ce qui est toujours un peu compliqué, parce que là, on rencontre un autre ensemble de débats, qui est que les écoles, à ce moment-là, il y a une autre notion qui va s'introduire, qui est, on ne veut pas faire une école technique. C'est-à-dire, on ne veut pas devenir une école technique. C'est-à-dire, il y a toujours cette peur de devenir une école technique et qu'on préférerait être une école où on imagine demain, mais sans se mettre trop les mains. Vous voyez, tous ces débats, en fait, entre manuel et intellectuel, ben, il est toujours, toujours en arrière-plan. Il faut que j'aille un peu plus vite, peut-être, non ? Parce que je vais... Donc, donc, création de certificats, certificats de fin d'études qui vont conduire en fait à l'idée de diplôme. Parce que là, avant, il n'y avait pas de diplôme non plus. On obtenait des prix et c'était les prix qui vous validaient en quelque sorte. Donc, là aussi, un élément important dans l'histoire de l'école, c'est la création d'un diplôme d'architecte spécifique qui a été créé en 1922 et qui a été malheureusement supprimé, ben, malheureusement, en tous les cas, supprimé par Vichy en 1941. Voilà. Donc, tout ça conduit à des diplômes. Donc, à la fin des années... dans les années 30, en fait, cette idée de diplôme s'impose. Donc, vous voyez, cette idée de diplôme, ce n'est pas non plus quelque chose qui viendrait de tellement loin, puisque on est là dans quelque chose qui fait que dans les années 60, effectivement, le rapport à l'université va se faire de façon plus simple, parce que d'une certaine façon, on a l'idée que ça fonctionnerait pareil. Il y a des diplômes, il y a un cursus, il y a un programme d'études, et que tout ça, effectivement, peut, d'une certaine façon, se découper les uns sur les autres. Alors, j'ai fait pour cette partie une petite incise, point B. C'est l'idée qu'effectivement, à l'intérieur de ce mouvement qu'on peut pousser jusqu'en 1968, si vous voulez, évidemment avec des variations dans lesquelles on pourrait rentrer si on s'intéressait à ce qui se jouait dans ces moments-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette période-là, c'est qu'on a un programme d'enseignement organisé. On a un programme d'enseignement organisé avec un concours d'entrée et un diplôme à la fin des études. Mais dans cette période-là, à l'intérieur de ce qui constitue les arts décoratifs, il va y avoir un débat sur ce qui était le contenu de ces arts décoratifs. Et c'est là où on a le débat entre tradition et modernité, qui évidemment va plutôt avoir tendance à se développer dans les années du XXe siècle, et particulièrement entre les deux guerres. Hein, entre les deux guerres, comme vous le savez, il y a le Bauhaus qui se fait en 1919, il y a la même chose avec la révolution russe. Enfin bon, il y a un certain nombre d'évolutions qui fait que le rapport Beaux-Arts-Arts appliqués change en quelque sorte d'approche. Et donc la France est plutôt en retard, entre guillemets, de ce point de vue-là, puisque finalement la question de la tradition est peut-être encore assez forte. Aussi poussé par le fait que les artistes décorateurs s'organisent très fort depuis le début du XXe siècle et à la création en fait de la Société des artistes décorateurs qui naît en 1901 et en fait qui donne une assise professionnelle à ces créateurs et qui sont plus ou moins poussés par l'idée aussi de préserver le beau métier, la tradition française, l'artisanat aussi d'une certaine façon, est poussé par un autre courant qui est mieux connu aujourd'hui, qui est celui de la modernité, qui est incarné par Le Corbusier, et qui se résume assez bien, si vous voulez, dans l'exposition de 1925, qui est cette exposition qu'on appelle Art déco, en quelque sorte, où il y avait d'un côté le pavillon de Ruhlmann, qui incarne, si vous voulez, cette grande tradition d'un métier extrêmement sophistiqué, et puis le manifeste de Le Corbusier, qui lui est le parti pris de la modernité, avec des matériaux nouveaux pour une autre conception de l'habitat, de la conception des objets industriels, en utilisant d'une façon beaucoup plus généralisée la question de la machine. Et donc, en fait, pour ce qui est de l'histoire de l'école, dans ces années-là aussi, là, les arts décoratifs se sont plutôt fondés sur l'architecture, en quelque sorte, sur les métiers et l'architecture est importante, puisque là, j'ai pas eu le temps de parler, mais quelqu'un qui... L'histoire de l'ornement, en fait, dans les années 1830-1850, était faite par Viollet-le-Duc. Et Viollet-le-Duc, évidemment, est le tenant de la modernité, celui d'une approche, en fait, organiciste de l'architecture. Et cette dimension, en fait, qui est liée à l'importance que l'école a toujours aussi donnée à la géométrie, n'a pas cessé d'être présente. Et en fait, elle s'est plutôt, me semble-t-il, manifestée à travers
la formation en architecture qu'à travers la formation en art décoratif. Parce qu'en fait, quelqu'un comme Marcel Lotz, par exemple, hein, qui est un architecte vraiment rationaliste, est passé par l'école et en fait appartient à cette lignée rationaliste issue de Viollet-le-Duc. Donc, l'architecture a enlevé quelque chose aussi à l'école et lié à l'école à quelque chose qui lui est important. Mais en même temps que ce développement des arts décoratifs se faisait, l'école a été intéressée, et ça s'est marqué à l'école à partir simplement des années 30, par l'introduction des arts graphiques. Non pas que les arts graphiques n'étaient pas présentes, mais elles n'ont pas fait l'objet d'une formation aussi importante qu'à partir des années 30. Je le signale parce qu'évidemment, dans les années 60, c'est sur ce deuxième pilier que les arts décoratifs vont se développer. Donc, comme je vous disais en 1941, suppression du diplôme d'architecte. Donc, après la guerre, l'école est obligée de se reconstituer. Compte tenu de cette suppression d'architecture qui était son épine dorsale, si vous voulez, jusqu'à présent, et donc de déplacer la formation de l'architecture intérieure vers ce qui s'est appelé l'architecture intérieure, en quelque sorte, et ce qui a été repris comme étant décorateur, même si le mot, déjà, auprès de ceux qui l'utilisaient, ne faisait pas l'unanimité quant à savoir ce que les uns et les autres mettaient derrière le terme. Bon. Ensuite, il y a eu, alors à partir des années 50, la préoccupation de cette émergence liée au phénomène de la reconstruction, donc d'une approche où la modernité trouvait en quelque sorte une position normale reconnue. Et la question de la production industrielle a aussi émergé. Et à partir des années 50, l'école s'est préoccupée donc de donner une formation de ce qui était appelé à l'époque l'esthétique industrielle. Ça s'est fait au début par finalement des conférenciers qu'on faisait venir, et ça s'est concrétisé dans les années 60 par le recrutement de deux personnalités importantes. En art graphique, Jean Widmer, en fait, qui va développer le design graphique à l'école après 68, et Roger Talon, donc vous avez l'exposition, et qui est donc celui qui a introduit le design industriel. Et lui n'appelait déjà plus esthétique industrielle, il souhaitait qu'on appelle l'enseignement qu'il introduisait à l'école design industriel. Donc là, on a un changement au milieu des années 60 sur quelque chose qui fait que les arts décoratifs tels qu'ils s'étaient constitués vont progressivement basculer vers une autre approche qui est une approche plutôt analytique, c'est-à-dire on s'attaque à un problème et on essaye de voir comment on peut régler le problème. La question de la forme ne vient pas d'abord, elle vient de la façon dont le problème a été traité. Hein, c'est-à-dire, Talon, il vous dit, moi j'ai quoi? J'ai à construire un siège ou j'ai à construire un train, le problème il est le même. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut apporter? Et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour y répondre? Et en fonction de ça, à la fin, évidemment, on essaye de faire en sorte que tout ça se synthétise d'une façon telle que c'est la meilleure réponse, que la forme, effectivement, suit la fonction, comme disaient les rationalistes en architecture au début du XXe siècle. Donc, dans cette approche-là, où ce qui va devenir important, c'est de se dire, on essaye, donc on analyse ce qui est, et puis on expérimente. C'est-à-dire, on ne trouve pas immédiatement la solution parce qu'on puise dans un vocabulaire qui existerait. On a plusieurs solutions possibles en fonction des contraintes auxquelles on est confronté. Et en fonction de ça, on propose ce qui semble finalement le plus raisonnable et le plus satisfaisant compte tenu de la situation. C'est pour ça qu'approche analytique et expérimentation vont de pair. Et c'est là où les sciences humaines vont aussi jouer un rôle important, parce que c'est le développement dans les années 60 aussi des sciences humaines, du structuralisme, de la phénoménologie, qui finalement conduit aussi à considérer qu'il faut partir en fait de l'expérience de chacun pour voir finalement ce qu'il en est de... Voilà. C'est-à-dire, on ne présuppose plus qu'il y a des solutions qui sont déjà là. Le problème, il est là, mais les solutions, c'est à trouver en fonction de la capacité qu'on a de poser correctement le problème, en quelque sorte. Et c'est là où la question du design et de l'innovation donc, vont devenir ce qui constitue donc, les traits principaux de l'école aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je continue, parce que
ça fait... Parce que là, la deuxième volet, c'était de se dire, voilà, ce dont je viens de vous parler, donc, a été mis en place en 68 pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire, en fait, en 68, les études ont été mises à plat. C'est-à-dire que tout ce qui existait a été banni, a priori. Et pendant une année, des groupes de travail ont été constitués, enseignants, étudiants, pour faire une proposition de nouveaux programmes. Et les nouveaux programmes se sont mis en place progressivement en 70 et 71. Donc 70-71, jusqu'à la fin des années 70, si vous voulez, un certain nombre de noyaux d'enseignement sont restés, des adaptations ont été faites, des secteurs nouveaux ont été constitués, et à un moment donné, on avait une pléthore de secteurs. Et moi, je suis arrivé, en fait, directeur des études à ce moment-là, avec la taille de dire, bon, ben voilà, si tu peux mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, pour qu'on s'y retrouve, pour qu'on comprenne, parce que certains avaient 12 heures d'enseignement, donc 35 heures d'enseignement, enfin bon, c'était un truc pas possible. Et surtout, la tendance naturelle, c'est que chacun des secteurs avait tendance à considérer qu'il pouvait très bien exister indépendamment de l'autre qui était à côté. Si bien que dans l'école, on pouvait avoir 10 écoles assez facilement, d'autant qu'on était dans l'idée que l'autorité était là pour faire en sorte qu'on ait les moyens disponibles, mais que ce n'était pas l'autorité de dire comment il fallait faire ce qui était à faire. Donc c'était un contexte tout à fait passionnant, parce que ça a favorisé une foultitude de propositions, mais à un moment donné, ça avait l'inconvénient de ne plus pouvoir tout à fait maîtriser. Donc malgré tout, c'était un diplôme d'État, et il fallait que le diplôme qui a été donné soit le même pour tout le monde. Donc ce que j'avais choisi de vous indiquer à grands traits, c'était quels étaient les types de solutions qui avaient été faites. Alors je peux le faire rapidement, quitte à y revenir si jamais j'ai été trop rapide. Puis comme ça, ce sera terminé. Je sais pas. Comme tu veux, ou sinon, moi, je parle là et puis tu reprends sur 90. C'est comme tu le sens. Bah, moi, parce que là, en fait, c'est les années 80. Mm. C'est-à-dire que c'est ce qu'était la réforme qui a conduit au décret de 85, c'est-à-dire qui a conduit, en quelque sorte, au redéploiement et à la réorganisation de ce qui s'était, en quelque sorte, mis en place dans l'effervescence des événements, et qui donc a permis à l'école d'évoluer aussi telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, ça peut faire une respiration, comme ça, Comme Alexandra est plus calme que moi. Non. Mais par contre, est-ce que c'est possible de mettre le petit PowerPoint avec nos pages du livre ou pas? Ah, le technicien est parti, alors je vais vraiment faire échappe. Tu l'as, l'autre document? Attends, je vais essayer de l'afficher. Bon, l'idée, effectivement, c'est d'être peut-être complémentaire. Moi, j'ai découvert cette histoire de l'école, hein, donc pour la rédaction de cet ouvrage qui m'a occupé un certain temps, donc sur l'histoire de l'école de 1968 à 2010, puisque c'est le moment de la publication de l'ouvrage avec l'arrivée de Geneviève Gallo. Donc là, l'exercice qui nous est demandé aujourd'hui, il est un petit peu différent de celui auquel je me suis livrée il y a maintenant 7 ans, puisque en fait l'histoire de l'école telle qu'elle est apparue ou telle qu'elle m'est apparue, c'était avant tout une histoire de professeur, une histoire de personnalité, une histoire de créateur, et ça a été pour moi un moment très très intense avec la rencontre de personnalités très très fortes, et puis des engagements politiques encore, des gens qui étaient très 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 engagés, avec une vision très définie de ce qu'était l'école et ce qu'était la place, leur place en fait dans l'école. Donc là, il y a quelques pages du livre, peut-être, une illustration, voilà. Donc, en tout cas, ce qui est apparu
donc ça va être effectivement au lendemain de mai 68 une transformation radicale des enseignements de l'école, avec vraiment une prise de pouvoir aussi des élèves qui vont faire des invitations à certains professeurs. On va avoir des professeurs qui vont être, ça a son importance, qui vont être des enseignants extrêmement jeunes. Roger Talon m'expliquait qu'il avait à peine 30 ans quand il commence à enseigner. Donc ça dit aussi beaucoup de la manière dont ces enseignants vont forger leur propre enseignement et vont aussi être en réaction par rapport à ce qu'ils ont connu. C'est le cas de certains, notamment Maugirard ou d'autres. Donc c'est vraiment très important aussi parce qu'ils vont se former sur le tas en même temps qu'ils vont former les élèves. Donc il y a vraiment une prise de risque, j'ai envie de dire, qui m'a beaucoup impressionnée lorsque j'ai pu découvrir un petit peu. Alors ces enseignants avaient bien sûr une notoriété, étaient appelés d'ailleurs à l'école hein, pour leur publication, pour leur réalisation. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est cette fraîcheur, en fait, hein, elle vient essentiellement des enseignants qui sont presque aussi jeunes que les élèves qu'ils vont avoir face à eux. Donc ça c'est un élément extrêmement important, et c'est aussi donc des gens qui ont peut-être eu un enseignement très académique, et eux vont laisser place davantage à l'expérimentation. Vous allez voir une expérimentation finalement très prolixe, hein, puisqu'on va avoir des cours de shiatsu, de yoga, donc des choses qui sont extrêmement diverses et qui sont dans l'esprit de l'époque. Donc mai 68 va ouvrir véritablement de nouveaux horizons à l'école, avec aussi une personnalité d'importance qui est le directeur Michel Tourlière, qui va énormément faire confiance aussi à tous ces enseignants qui arrivent, et ces enseignants qui ont, je pense, la faculté de pressentir aussi l'évolution de la société dans laquelle ils vivent, et qui vont justement vraiment tester un enseignement, une pédagogie qui va être au mieux... en tout cas en adéquation avec ce qui est en train de pointer ou d'émerger. Donc il y a effectivement, juste après 68, et ça c'est vraiment une caractéristique importante, un développement et un crédit considérable qui est donné aux sciences humaines, donc comme l'évoquait René. Donc effectivement, on a à ce moment-là un développement, une attention particulière donnée à l'anthropologie, à la sociologie. Et donc, à partir de 1969, mais il y a une quinzaine de recrutements qui se font dans ce domaine-là. Donc on a Jacques Gaucheron, mais aussi on a Jean-Marc Poinceau, que vous connaissez peut-être, le critique d'art Pierre Cabanne, l'historien de l'art Michel Ragon, le critique d'art Jean-Louis Pradel, etc. L'esthéticien Thierry Chaban aussi, très marquant pour l'école. Donc tout ça va avoir son importance parce que finalement dans l'enseignement, il va y avoir toujours une recherche d'adéquation entre cette compétence professionnelle et technique que l'élève va acquérir, et en même temps cette dimension plus large qui va être donnée au travail. Donc comme si on apportait une espèce, avec ces sciences humaines, donc une sorte d'épaisseur supplémentaire et une dimension plus cultuelle aussi autour de l'objet. Donc les enseignants vont travailler vraiment en binôme, donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Ça nécessite aussi, j'imagine, de nombreuses adéquations, préparations. Moi, j'avoue avoir été presque
envieuse parce que moi-même j'ai enseigné très tôt et ça renvoyait pas mal de choses de ma propre expérience et j'étais très envieuse de voir dans les archives, puisque j'ai eu accès aux archives, de voir la quantité de réunions de travail pour l'élaboration des cours. Et malheureusement, je dois dire que pour avoir enseigné dans des écoles, aujourd'hui, il y a vraiment une espèce de travail solitaire où peu de personnes se préoccupent de ce que vous faites vraiment et pas vraiment de... C'est-à-dire on était chacun changé de fonction, en fait, en fonction de ce qui était à faire. Ouais. Alors ça, c'était peut-être pour les professeurs. Après, il y avait aussi beaucoup d'enseignants... aussi avec une vraie, une occupation professionnelle très prenante aussi. Hein. Donc on imagine qu'ils n'étaient pas forcément tout le temps là non plus pour la préparation de leur... Ça c'était une autre question qui se posait aussi, parce que parmi ces jeunes enseignants, en fait ces jeunes enseignants étaient aussi investis dans une expérience professionnelle, mais moins forte que ceux qui avaient déjà acquis une expérience pour lesquels l'expérience professionnelle prenait plus de temps. Et ça finit par créer un conflit entre les professionnels qui intervenaient plutôt en fin de parcours, c'est-à-dire pour les projets, et puis ceux qui étaient jeunes encore et qui avaient des envies, qui avaient envie de changer les choses, et qui intervenaient plutôt au début. Mmh. Et là, on a eu des conflits en fait, entre ceux pour lesquels la question d'un programme pédagogique se posait, et ceux pour lesquels, d'une certaine façon, ce qui constituait l'apprentissage habituel, c'est-à-dire « voyez comment je fais et essayez de faire comme moi », c'est-à-dire qui jouait par comment on procède pour faire quelque chose. Donc vous faites comme moi. Vous voyez, c'est, et ça, c'est deux choses aussi. Là, moi, je ne porte pas de jugement parce que les deux apports, à partir du moment où ça se gérait, où on savait qu'un tel, il ne s'agissait pas de demander un enseignement de première année parce que ça n'aurait pas marché, il aurait dit vous voyez, il y a une affiche à faire pour l'école des chartes. Bon, vous voyez, c'est une école qui est importante, qui vit en œuvre. Bon, vous voyez ce que vous pouvez me faire. Et puis, il laissait les élèves se débrouiller. Mmh. Un prof pédagogique disait, l'école des chartes, c'est quoi? Est-ce que c'est bien utile de leur faire une affiche? Pourquoi ils ont besoin d'une affiche? Alors, vous voyez, tout de suite, on reprenait le problème depuis le début pour savoir si c'était bien la réponse qu'il fallait apporter. Et à ce moment-là, au lieu d'une affiche que vous aviez commandée, vous vous retrouviez avec un site web, vous voyez. Ouais. Alors moi, peut-être pour revenir, donc c'est ce qui m'avait vraiment marqué comme type d'enseignement, notamment instauré dans le cadre du premier cycle à partir des années 1972-1973. Donc c'est trois types d'enseignement qui s'intitulent donc FSI, fonction signe image, AEV, appréhension espace vécu, et FFE, fonction, forme, espace. Là aussi, donc, ça repose sur un tandem avec l'équipe des sciences humaines. C'est quelque chose qui se met en place parallèlement à d'autres types de cours qui sont plus des cours autour de la matière et des textures. Donc il y a toujours une approche très sensible, très concrète et très plastique des matières. Et puis il y a aussi pas mal d'autres cours qui sont plus classiques autour des mathématiques, de la physique. Donc ces trois modules, en fait, donc, sont des cours qui sont considérés comme des cours fondamentaux et qui vont permettre donc le développement de l'expérimentation. Ce sont bien sûr des cours qui sont tout à fait dans l'air du temps, penser l'art comme une espèce d'environnement ou d'environnement immersif. Nombreux l'ont fait à partir de Capro, notamment. Il y a eu Tania Moreau aussi qui a fait ses environnements, ses espaces de méditation aussi dans ces années-là. Donc il y avait vraiment une sensibilité toute particulière et qui a été soutenue par ces artistes qui étaient un petit peu d'horizons très différents. Il y avait Antoine Stauder qui était un architecte relativement contestataire. Il y avait donc des gens qui pouvaient travailler la couleur et puis enfin bon, tout ça se regroupait. Et toujours est-il donc comme type d'expérience, donc je vous parlais tout à l'heure des cours de Shiatsu, enseigné par Antoine Stauder dans Appréhension des espaces vécus. Il y avait du yoga, du théâtre de mime,
de l'expression corporelle, de la psychanalyse de groupe, de la relaxation transcendantale ou même du buto. Voilà, ils ont fait venir, parce qu'il y avait aussi pas mal de connexions, je pense, avec le Japon, par certains profs qui faisaient profiter l'ensemble de la communauté, parce qu'on peut peut-être appeler ça une espèce de communauté de travail dans ces années-là. Et aussi, il y avait donc des expériences qui étaient menées en dehors de l'école, dans le jardin du Luxembourg, où par exemple, il fallait se laisser guider par un collègue, les yeux bandés, et éprouver la relation à l'espace. Même relation à l'espace, là c'était plutôt le degré zéro de l'espace qui a été envisagé à partir d'un ouvrage de l'homme boîte d'Abbé Kobo. Donc il y avait comme ça une expérience nourrie dans l'environnement et une confrontation vraiment à la réalité urbaine. Et là encore, ce sont des choses qui me semblent être très intéressantes, auxquelles on a renoncé depuis, mais qui sont comme des parenthèses des parenthèses sans doute très constructives dans l'enseignement, dans la prise de risque, dans l'affirmation de soi aussi, et de cette relation avec le groupe. Donc ça c'est un premier élément. Donc ça date des années, tout début des années 70. Après, effectivement, comme le disait René, il y a eu cette école est constituée d'énormément de secteurs. Les secteurs se sont accélérés, on est passé à 12, puis 14, ça s'est amplifié dans le temps. L'école a parfois eu du mal à trouver une espèce de cohésion entre ces différents secteurs. Après, il a fallu les regrouper. Enfin, je passe un peu les détails. Mais toujours est-il, c'est qu'il y a eu à chaque fois, en fonction des époques quand même, il y a eu des secteurs marquants. Effectivement, dans ces années 70, c'était là encore aussi le fait de la venue de personnalité. On a eu Jean Widmer, avec le design graphique, et puis par la suite la communication visuelle, puisque nommé comme ça, est devenu et resté, en tout cas ce secteur, extrêmement fort. Et puis, on a aussi le secteur du design industriel avec la venue de Roger Talon. En tout cas, ce qui ressort dans tous les cas de ces différents cours, puisque Widmer est porteur, lui, de l'héritage du Bauhaus, qui était en fait relativement ignoré dans ces années-là. Il y a vraiment un apport nouveau qui s'exprime, et surtout une manipulation des formes qui se fait au quotidien. Donc ça, c'est aussi très intéressant, et c'est le reflet de la pédagogie de... Voyez, vous avez Jean Widmer en train de travailler ses volumes. Il y a vraiment cet appétit en fait au sein de l'école pour une extrapolation vraiment plus pratique de concepts plus abstraits comme les mathématiques. Donc notamment un atelier de morphostructure qui a été mis en place par Gérard Baudouin dans les années 70 aussi, où les étudiants pouvaient vraiment expérimenter en 3D les renvois de force. Je crois qu'il y a un petit visuel que l'on voit peut-être plus loin. Toujours est-il, c'est que c'est un enseignement, l'enseignement de design graphique, qui est un enseignement, en tout cas pour la partie suisse, parce qu'à l'école il y a des luttes intestines très fortes qui sont exprimées plus largement dans ce secteur-là, design graphique, puisque vous aviez donc l'école suisse avec Jean Widmer et Rudi Meyer notamment. Donc vous voyez ici un exercice qui est un exercice apparemment qui a dû hanter pas mal d'élèves de l'école, qui consistait à dessiner son propre cheveu qu'on avait arraché en début d'année, et à avoir une,
un rendu qui soit le plus fidèle possible. Donc pendant une année, il pouvait être, voilà, c'est aussi cette rigueur et cette exigence suisse qui s'exprimait pleinement. Et puis face à ces Suisses, eh ben, on avait aussi le collectif Grappus qui était... Et donc, porté par un, en tout cas, était dans une approche qui serait celle des défenseurs de l'utilité publique, avec des projets qui se revendiquaient, enfin voilà, qui refusaient. Il y avait aussi cette espèce d'antagonisme au sein de l'école, avec des enseignants qui voulaient vraiment une forte professionnalisation et imposer aux étudiants de répondre aussi à des commandes assez tôt finalement, et puis d'autres enseignants de l'école qui au contraire ne voulaient pas que l'on se sacrifie enfin que l'on cède au pouvoir du privé, et donc il y avait aussi... Ça, c'était la tradition 68, c'est-à-dire en fait l'art au service de la société avec l'engagement politique que ça supposait. Parce que le mot grappus, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, c'est utilisé par les intéressés eux-mêmes, ça vient de crapule stalinienne. Et en fait, ils ont considéré que graphisme, hein, et donc ils ont revendiqué en fait le terme péjoratif qu'on avait à leur endroit. Mais en tout cas, cette dissension et ce clivage au sein de l'école est resté, et c'est même peut-être amplifié sous Peduzzi, qui cherchait aussi davantage à professionnaliser en fait la formation, à permettre, parce qu'en fait, ça, c'est aussi la grande force de l'école, c'est cette porosité. Assez tôt, les élèves pouvaient répondre à des commandes précises, en fait, que ce soit même avec Rocher-Talon ou d'autres. Avec toujours la difficulté de se dire quel est le poids de la commande par rapport à l'analyse du projet lui-même. C'est-à-dire que si la commande est trop forte, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que le commanditaire souhaite avoir un produit pour lequel il a déjà une idée préalable, c'est antipédagogique, comme je vous disais tout à l'heure, parce que, en fait, la pédagogie, ça peut être la remise en cause des éléments de la commande. Donc, en fait, si vous remettez en cause ce que le commanditaire vous fait, évidemment, le commanditaire, il n'est pas très content. Donc là, il y a un hiatus entre des objectifs pédagogiques et des objectifs, en quelque sorte, commerciaux. Donc ça a été le débat pendant tout le temps, parce que l'école, en même temps, voulait s'ouvrir sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas non plus simplement faire des exercices d'école, mais il fallait que ces exercices d'école renvoient aux contraintes et aux nécessités de la réalité sociale. Donc voilà, c'était ces contradictions auxquelles, finalement, à l'école, on aimait bien. Parce que finalement, la contradiction se révélait souvent très positive quand elle pouvait être dépassée. Ça, c'est la vieille dialectique.
Oui, je pense que en tout cas pour les étudiants, c'était relativement profitable. Et puis, en fait, ça a été profitable parce que ceux que moi je revois en fait qui ont été étudiants pendant où le conflit était assez fort entre les Suisses et disons les communistes, hein, parce que finalement Grapus c'était ça, on trouvait que ça les enrichissait à partir du moment où en fait les enseignants ne jouaient pas contre les étudiants. Vous voyez, c'était ça le problème. C'est-à-dire, en fait, les enseignants pouvaient se bouffer tant qu'ils voulaient, mais à partir du moment, ils n'utilisaient pas les étudiants dans leur départ. Voilà. Donc c'était ça, la limite éthique, qui fait que ça a marché assez bien en définitive, parce que finalement, ils profitaient d'approches et de visions assez différentes. Ouais, je pense que ça a joué aussi comme ça dans les années 50, en fait, entre les traditionalistes et puis les modernistes. Parce que ça a fait cette génération, si vous avez vu l'exposition Moby Boom, au musée des arts décoratifs, en fait, cette génération, c'est la génération des élèves, pour la plupart, hein, sont sortis des arts déco dans les années 50, qui ont donc été les bénéficiaires de cette réforme qui était celle de l'après-guerre, mise au point par Léon Moussinac, qui était le directeur à l'époque. Oui, il y a pas mal de... Même les graphistes, M&M, disaient que justement, ils avaient finalement pleinement profité de cette double vision. C'était plus pénible, c'était pour des gens comme moi, par exemple. Donc, mais c'est vrai que aussi, ça, même je pense là, à la section textile, par exemple... ils ont à chaque fois dépassé la vision traditionnelle du textile, même si c'était ils avaient adjoint un atelier d'impression, il y avait un peu tous les éléments de la chaîne en fait qui étaient représentés, mais en même temps on s'ouvrait à Michelin, il fallait aussi voir quels usages on pouvait faire du textile, même d'un point de vue industriel. Donc c'était aussi très ouvert. Alors ce que tu décris, c'est évidemment selon les secteurs. Certains secteurs étaient très en prise en fait sur la réalité industrielle et professionnelle, d'autres étaient beaucoup moins. Et donc évidemment, dans un environnement où les secteurs ne sont pas sans voir ce qui se passe à côté, ça avait un effet en fait d'émulation de la part des uns et des autres. C'est-à-dire quand l'école était très en prise sur la réalité industrielle, si elle était toute seule, elle aurait pu être carrément absorbée par la réalité industrielle. À partir du moment où, au moment des rendus, au moment des bilans, le secteur à côté donnait une petite remarque en disant « oui, mais enfin, attends, tu fais attention, etc. Et » les choses se corrigeaient d'une certaine façon elles-mêmes. Donc ça c'était l'élément positif. Ça. C'était, bon, ça, c'est des choses qui sont difficiles à décrire parce que c'est le fonctionnement interne de l'école. C'est-à-dire que dans une école, si vous voulez, à partir du moment où les cloisons ne sont pas étanches, qu'il y a des rendus qui sont des rendus publics, si vous voulez, beaucoup de choses s'échangent. Voilà, donc ça c'est l'élément positif, et en fait c'est ça qu'il faut essayer de faire fructifier, que les différences finalement s'enrichissent au lieu de se détruire les unes par rapport aux autres. Oui, et puis malgré tout, enfin, à travers les directeurs successifs, en fait, il y a toujours eu cette recherche de placer vraiment l'école la plus en adéquation possible avec les problématiques du moment, qu'elles soient technologiques. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette photo ici, puisque... début assez extrêmement tôt, hein, parce que le secteur informatique... acquis ses premiers Mac et premières palettes graphiques en 1984, vous voyez. Donc c'est relativement tôt. Et donc il va y avoir aussi des collaborations qui vont être faites avec un ancien élève de l'ENSAT. Ça, c'est aussi une petite parenthèse, mais c'est aussi un élément à savoir, c'est qu'il y a dans ces années-là, beaucoup de recrutements, on parle à un moment donné presque de consanguinité parce qu'il y a eu beaucoup de recrutements d'anciens élèves qui sont venus ensuite enseigner à l'école. Donc là, pour le coup, autant dans les années 70, les enseignants qui arrivent sont complètement en rupture avec ce qu'ils ont connu et ne viennent pas de l'école. Ils sont... Une partie vient de l'école, c'est-à-dire il y a une partie qui vient de l'école, c'est-à-dire en particulier ceux qui ont déjà bénéficié de l'enseignement de Widmer et Talon, comme Gérard Baudouin,
par Baudouin, qui en fait a mis en place l'atelier de morphostructure. Ça a été un des premiers élèves de l'école. Il a continué sa formation aux États-Unis à Atlanta, parce qu'il y avait des relations informelles entre Atlanta et l'école. Et donc il est revenu, en fait... Non, mais là, je parlais de l'époque de Talon, justement. Un petit peu avant, en fait. Ouais, mais ça, c'est l'époque de Talon, ça. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, il a dû être élève de 65, 66, 67, quelque chose comme ça. D'accord. Et en fait, des graphistes comme Mie ou Pierre Bernard, en fait, c'était des élèves de la fin des années 60. Mm. Et qui, en fait, sont pratiquement, eux, restés à l'école. Ouais, puis... François Mie qui a été directeur des études. Ouais, ça a donné des habitudes. C'est vrai qu'à un moment donné, par exemple pour l'informatique, évidemment, ou pour le graphisme, en fait, comme la formation, il n'y en avait pas tellement d'autres à l'époque, évidemment, les gens qui avaient fait l'école se retrouvaient aux premières places pour le faire. Et ça a pu créer, enfin, moi j'ai connu ça, effectivement, l'idée, bah oui, mais attendez, on ne va pas non plus, effectivement, simplement se coopter les uns par rapport aux autres, parce que ce n'est pas très sain. Et voilà, donc il y a eu un petit... période comme ça, mais c'était aussi quelque chose sur lequel il fallait redonner des nouvelles règles, parce que même la façon de recruter, il y avait des pressions quand même terribles, il a fallu inventer une commission de recrutement, il a fallu faire venir des gens du ministère pour rééquilibrer la présence forte des gens issus de l'école, etc. Voilà, donc c'était une époque en fait d'autogestion pratiquement jusqu'aux années, fin des années 80. Sous la houlette en fait de Michel Tourlière, qui était quelqu'un d'extrêmement bienveillant et libéral, et qui a bien utilisé ça, parce qu'en fait il en a profité pour mettre les uns et les autres en compétition et pour faire naître des nouveaux secteurs comme la vidéo, l'informatique, etc. Donc tout ça, ça a été... Bon, c'est comme toujours, c'est jamais blanc et noir, il y a des choses qu'il faut essayer d'équilibrer. Mais c'est vrai que de toute façon, André Attella, c'était aussi quelqu'un qui était tout à fait disposé, parce qu'il a travaillé sur les terminaux de France Télécom et il avait développé le graphisme du Minitel. Donc c'était vraiment la personne... adéquate, et toujours est-il, c'est que relativement tôt, donc vraiment l'école s'impose finalement que l'étudiant qui sorte de l'école, en tout cas, puisse avoir cette double expertise à la fois numérique et analogique. Donc ça, c'est très important, parce que ces ateliers vont aussi s'ouvrir à l'extérieur. Hein. Je me souviens, il y avait des au départ, artistes pour des raisons de financement, évidemment, il y avait des artistes invités qui bénéficiaient de bourses de la part du ministère. C'était un peu le deal avec le ministère pour justifier finalement l'importance des équipements qui avaient été donnés à l'école. C'est-à-dire l'école a bénéficié du premier plan en fait numérique après l'arrivée de la gauche, comme on dit, en 80-82, où il y a eu une politique systématique avec Lang de développer ces nouvelles technologies. Et en fait, l'école, justement, grâce à quelqu'un comme Pierre Hénon, ou Gérard Baudouin aussi, ou Christian Stens, en fait, un certain nombre de gens qui avaient une formation scientifique à l'école, ils ont pu faire des projets. Et en fait, curieusement, l'informatique est née avec des scientifiques et a évolué avec des graphistes. Parce que l'évolution de l'informatique dans ces mêmes années-là fait qu'au départ on avait des machines immenses qui prenaient toute une salle pour faire en fait, je me souviens le soir ils mettaient plan coupe élévation et le lendemain matin ils étaient contents d'avoir une figure tridimensionnelle, vous voyez, mais ce que vous faites avec votre téléphone finalement il fallait une machine grande comme la salle pour le faire et ça chauffait fort, hein, je vais vous dire. Et alors qu'après, il y a eu les Mac qui sont arrivés, les petits, tout ça. Et donc ça a vraiment changé. Et les graphistes s'en sont emparés. Et c'est eux, en fait, qui ont contribué au développement. Parce que les graphistes comme Rudy Meyer, bon, Attala était un petit peu à l'interface de tout ça, ont facilité, ont permis, en fait, que tout ça vienne. Et puis il y a des artistes invités qui sont venus là. Donc les gens d'animation ont dit qu'on pouvait faire des choses aussi en images animées. Enfin bon, tout ça a été aussi un lieu d'échange extrêmement fructueux. D'accord. Et puis après, on a... bon, on avance un tout petit peu dans le temps aussi, avec l'arrivée aussi marquante. Là, tu nous en parleras peut-être un peu plus de Richard Peduzzi, puisque tu travaillais à ses côtés à ce moment-là. En tout cas, une toute autre vision de l'école aussi qui se met en place, avec une plus forte
politique de communication, beaucoup plus de partenariats, une professionnalisation, voire aussi une hyper spécialisation, parce qu'il y a vraiment des secteurs qui sont mis en exergue. C'est une école aussi qui va revenir et redonner une place importante au dessin, qui a été aussi un peu mis de côté à un certain moment. C'est un débat, c'est-à-dire c'est entre la façon de présenter les choses et la façon dont ça se faisait sur le terrain. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles technologies, etc., la modernité, le dessin, effectivement, n'était plus la discipline première. Et donc, du coup, n'étant plus la discipline première, tout le monde a eu le sentiment que le dessin avait disparu. Mais simplement, il avait été un petit peu changé de place. Quoi. Et c'est vrai que Peduzzi, et moi je défends un peu cette position, d'ailleurs je regrette qu'aujourd'hui le dessin soit un peu moins présent, considérant que le dessin, c'était, ne serait-ce que par rapport aux origines de l'école que je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est quand même le pivot. C'est-à-dire, dans une école d'art, pour moi, le dessin est vraiment le noyau de la formation. C'est un débat qui avait beaucoup marqué l'agrégation des arts plastiques, exactement à l'époque. Mais en fait, c'était parce que justement après 68, d'ailleurs c'est le moment où on a commencé à créer des unités d'arts plastiques à l'université, où la question du dessin comme préalable ne jouait plus. À partir du moment où ce qui jouait d'abord, et l'école est un peu dans cette mouvance-là, curieusement aujourd'hui, comme quoi, que c'est plutôt la motivation, la mobilisation, l'envie qui doit en quelque sorte être l'élément principal. Étant entendu que ce qu'on ne sait pas finit toujours par s'apprendre. Le problème aujourd'hui, moi je constate, c'est que les étudiants qui manifestement ne savent pas dessiner, comme il y a beaucoup d'outils maintenant qui peuvent faire illusion et qui finalement se substituent à ça, donnent le sentiment qu'ils savent faire alors qu'ils ne savent pas faire. Donc ça c'est un problème ouvert en fait. J'imagine, c'est comme sans doute peut-être en musique, celui qui connaîtrait pas le solfège ou les bases. C'est un problème ouvert parce qu'on ne peut pas non plus donner de réponse complètement binaire. Parce que moi, je connais des gens qui savent pas dessiner, qui ont un talent fou, mais qui ne requièrent pas forcément le dessin. Et puis, il y a des gens qui sont des grands dessinateurs, et puis finalement, ils sont que des grands dessinateurs. Quoi. Donc, c'est jamais simple. La question de l'art n'étant pas réductible, si vous voulez, à sa dimension technique, qui suppose finalement d'autres dimensions, fait que... Il faut voir comment tout ça se met en œuvre les uns par rapport aux autres. Mais là, comme on parle d'école, on parle de formation, la question se pose de savoir, pour celui qui a des dispositions, quelles sont finalement les acquisitions qu'il doit faire pour faire en sorte que ces dispositions se développent au mieux. En fait, moi, je poserais plutôt le problème comme ça. Et compte tenu qu'on est dans un domaine où en fait on veut donner à voir, à faire sentir, c'est vrai que le dessin c'est quand même un moyen qui est relativement efficace de ce point de vue-là. C'est vrai que comme un designer dit, bon qu'est-ce que tu veux faire? Il commence à vous faire un petit croquis pour dire à quoi ça peut ressembler, même si le dessin est maladroit, etc. Mais qui vous esquisse en fait ce qu'il a en tête, ça change tout. Alors que moi, si vous l'expliquez avec des mots, on ne va rien comprendre après une demi-heure encore. Donc c'est un peu ça la question du dessin, des arts plastiques, c'est de rentrer dans un monde, en fait, où ce qui s'échange, c'est à la fois de la conception, mais comme dirait Descartes, aussi de l'imagination. Vous savez, les deux sont quand même relativement associés. Et puis peut-être l'autre aspect marquant donc sous Peduzzi, c'est donc forcément la prévalence du secteur scénographique, assez naturellement, puisque lui-même a suivi de près et nommé en 92 Guy-Claude François. Donc il y avait aussi cette volonté de penser et d'ouvrir la scénographie au théâtre, mais aussi à la muséographie, au cinéma, donc et à l'architecture. Donc là encore, ce sont des gens, Peduzzi ayant travaillé avec Patrice Chéreau et d'autres, et travaillé notamment à la muséographie de certaines expositions, notamment Degas, ce sont des gens qui sont tellement imprégnés dans le milieu, finalement, qui savent un petit peu quelle transformation ce métier va connaître. Et donc, ça, c'est très intéressant aussi de voir ça. Et là encore, la scénographie a été très intriquée avec les sciences humaines et le rapport à l'écrit. Donc, c'était vraiment... Peduzzi n'aimait pas trop les sciences humaines.
Ah bon. Mais bon, il y avait quand même une connexion très proche. Là aussi, c'est comme un dessin, c'est considérer que si vous mettez les sciences humaines d'abord, il y a quelque chose qui est faussé. Mmh. Et là, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire dans une école d'art, ce n'est pas d'abord les sciences humaines qui doivent être mises en avant. C'est vrai que c'est d'abord le dessin. Mmh. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on ne met pas les sciences humaines en avant, qu'elles doivent complètement disparaître. Ouais, c'est un peu ça. En fait, on a affaire toujours dans ces problèmes de formation à des problèmes de pondération et de dosage. Oui. Non, mais ça peut être... En tout cas, c'est considéré comme une très bonne béquille. Bah, de toute façon, maintenant, vous voyez bien, avant qu'un graphiste, un designer, etc., il vous fait quand même une lettre d'intention pour indiquer en quoi va consister son projet. Donc, si je ne peux pas formuler, finalement, faire la part des choses entre ce qui est important et pas important, bah, il va être un petit peu handicapé, quand même. Et ce qui est aussi peut-être à noter, c'est que ce secteur scénographique donc se développe sans comédien, mais néanmoins, ils vont assez vite mettre en place des collaborations avec le Centre national d'art dramatique. Ouais. Et ça, c'est un peu, je pense, à l'origine même des nombreuses collaborations extérieures qui vont être mises en place. Pas à l'origine, ça fait partie des collaborations évidemment un petit peu particulières, parce que comme il est dans le domaine du théâtre et du cinéma, le fait d'être avec le conservatoire, ça s'est très bien fait, parce que les élèves du conservatoire étaient contents d'avoir des élèves des arts déco qui fassent leur décor, donc tout ça se passait très bien. Mmh. Mais bon, c'est vrai qu'après, même sous Geneviève Gallo, après c'est d'un point de vue plus... la partie plus recherche, il va y avoir comme ça une approche plus tentaculaire en fait, de l'ENSAT qui va dépasser ses murs. Hein, avec la question de la recherche est liée aussi, je ne sais pas, le contexte dans lequel on est là, je pense, participe de ça, c'est lié au PSL. En fait, la question évidemment de mettre ensemble des ressources, des établissements qui ont des vocations différentes, mais qui est un projet pratiquement qui excède l'école, en fait, dans lequel l'école est rentrée, mais qui n'est pas de son initiative en quelque sorte. Il y avait d'abord des premiers rapprochements qui étaient faits, ce qu'on appelait les relations Montagne-Sainte-Geneviève, en fait, qu'on avait fait avec Normal Sup, parce qu'on était voisins immédiats, voilà. Et ça s'est fait un peu comme ça. On avait vu avec l'université à la Sorbonne, parce que là aussi on n'était pas loin, puisque ça s'est fait par le fait qu'ils nous prêtent la chapelle de la Sorbonne pour qu'on fasse une exposition. Enfin, ça se fait souvent d'abord comme ça, on fait connaissance, on voit ce qu'on peut faire. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, parce que bon... Et ce qui est bien, c'est de savoir que des connexions sont possibles. Puis peut-être, pour cette période-là aussi, il y a un autre secteur qui est un petit peu problématique. Secteur art mural, parce que, enfin, pas problématique, mais bon, justement, par rapport à sa redéfinition, par rapport à l'ENSBA, qui, elle, avait vraiment vocation à former des plasticiens. Est-ce que, du coup, l'ENSAT devait... continuer à développer cette orientation. Donc, en fait, c'est comme une sorte de dérivé de art mural. C'est un peu la survivance de ce qui avait été fait jusqu'en 68, donc avec les techniques de fresque, de mosaïque, de tapisserie également. Un gros débat. Là où j'ai eu un conflit terrible. C'est un conflit parce que la question s'est posée à un moment donné. D'ailleurs, c'est avec Peduzzi, parce qu'avant on avait trouvé une réponse qui était à peu près satisfaisante. C'était de se dire effectivement, si l'école est une école d'art décoratif, donc elle met d'abord en avant le fait qu'elle répond à un certain nombre de besoins sociaux, si on peut dire. Donc la question d'une finalité sans fin qui caractériserait en fait la démarche Beaux-Arts, en fait, est-ce qu'elle a sa place ici? Alors que, en revanche, la peinture doit être accessible à tous les élèves. Donc est-ce qu'on met l'art mural ou la peinture comme étant, comme le dessin, au centre, ou est-ce qu'on en fait un secteur à part, accessible simplement à certains élèves qui veulent faire de la peinture? Donc moi j'ai dit, bon, à ce moment-là on supprime, pour un petit peu, c'est un problème qui traînait depuis longtemps, là, j'ai eu une levée de bouclier terrible. Même ceux qui étaient contre les arts plastiques ont défendu les arts plastiques, par principe.
Donc on a retenu les arts plastiques et terres qui est devenu en fait art espace. C'est-à-dire en fait moi j'ai dit je veux bien d'une certaine façon, j'ai dit parce que je m'exprimais au titre directeur des études, mais il faut qu'on soit cohérent par rapport à l'identité de l'école. Donc ça veut dire que art espace se met dans l'idée de répondre à des problèmes d'aménagement d'espace qui sont des espaces réels. C'est-à-dire on aménage une place publique, on aménage un hall d'entrée, on répond en fait à quelque chose qui a une utilité, puisque ça donne une justification, et au niveau du grand projet, on sait par rapport à quoi on peut juger de la justesse de la réponse ou pas. Alors ça s'est terminé comme ça, puis en fait, après ça a évolué, parce que l'art simplement a évolué. Aujourd'hui, si vous regardez l'art de l'installation, c'est la forme d'expression qui prédomine. Donc art espace s'est trouvé très bien, en s'identifiant en fait avec l'installation, et en fait ça s'est terminé comme ça, où en fait, ceci dit, l'évolution de l'art, on pourrait aussi discuter aujourd'hui, finalement les musées c'est professionnel, finalement quand on vous commande une exposition, l'artiste maintenant il fait quasiment son installation en regard du lieu là où il va faire son exposition, donc d'une certaine façon, vous voyez, les choses se sont un peu aussi complexifiées. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours essayer de faire rentrer trop dans les cases. Il faut simplement pousser des fois le bouchon pour obliger à essayer de trouver une argumentation qui essaye d'éclairer tel ou tel point, mais bon, on n'y arrive jamais, jamais, jamais complètement. C'est ça l'intérêt, en fait. Une école, c'est vivant. Si vous considérez qu'elle n'est plus vivante, là, ça commence à être un peu inquiétant. Mais bon, il faut pousser le bouchon, c'est la discussion, c'est la confrontation. Sur ce point, justement... est-ce qu'on a eu conscience en arrière-plan, l'école des arts décoratifs, que la question de l'art mural pose un enjeu de pouvoir de l'art dans la société, parce que qui dit art mural dit art public. Oui, oui, tout à fait. Là, l'école des beaux-arts est très sensible à cette question depuis très très longtemps. Oui. Et renoncer à faire de l'art mural, c'est renoncer à être présent dans la ville. Ça aurait été extrêmement... Très difficile à faire, probablement très négatif. Oui, la question, c'était pas... Heureusement que vous avez récupéré la question par la voie des installations. Oui. Ça, c'était la part En fait, la question de l'art mural, c'est que c'était associé à une forme d'expression qui était jugée un petit peu dépassée parce qu'on l'associait beaucoup à la mosaïque ou des choses comme ça. Ouais. Donc la question, c'est que l'art mural est une solution possible à côté d'autres formes d'expression qui peuvent inclure l'espace ou des techniques mixtes. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire, au lieu de considérer que l'art mural est en soi un métier qui serait indépendant et que, voilà, c'est que on fait appel à un artiste qui peut considérer que, compte tenu de la réponse qui est apportée, du problème de ce qu'il veut faire passer, qu'il faut que de l'art mural, que ce soit de la fresque, que ce soit de la mosaïque, ou que ce soit des photos agrandies ou tout ce que vous voulez, associé ou pas à autre chose, là, à ce moment-là, il est dans sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas cantonné à répondre à un problème ponctuel, isolé du contexte. Son élément doit finalement prendre en compte le contexte. C'est plus dans cet esprit-là. Voilà, bon. C'est pour ça que le débat, il est un peu entre la question du métier et la question du mural. Alors, les gens ont tendance à penser, bon, un seul métier. Non, là, l'idée, aux Arts Déco, c'est de se dire que les élèves, il y a toujours des cours de mosaïque, par exemple, à l'école. Pour ceux qui veulent, effectivement, comme il y a des cours, en fait, de gravure, ou il y a des cours de... Bon, à un moment donné, vous voulez continuer la typo avec les bas de classe, etc. Bon, faute de place, on ne l'a pas fait, mais l'idée, c'était que, même si on ne l'utilise pas, c'est bien de savoir comment ça marche, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a un rôle de conservatoire, quand même, malgré tout, dans une école qui n'est pas complètement à rejeter, voilà. Mais en revanche, d'avoir une finalité, ça c'est la question, c'est de se dire, bon, ben, quelles sont les capacités, les compétences que l'élève doit acquérir et que son grand projet, c'est-à-dire son diplôme, doit faire apparaître. C'est un peu dans... Vas-y. Je prends... Ouais, vas-y. Bon, ben alors, je vais juste vous montrer justement, alors si quelqu'un, qui est-ce qui m'a aidé là, à retrouver la... Tu veux de l'aide? Oui, parce que là j'ai... Comment tu fais? Je vais pas trouver. Non, je vais. Voilà, la flèche. Je vais essayer de sortir de ça.
Et voilà, et de retrouver celui où on était avant. Celui-ci ? Non. Non, c'est ça, celui-là. Oui. Et d'aller. Voilà. Celui-là ? Oui. Voilà. Voilà, donc on était. Donc je vais enchaîner par rapport à ce qu'a dit Alexandra. Parce que donc là, l'étude de cas que je vous proposais, c'est dans le contexte qu'on vient d'évoquer, de ce qui s'est mis en place, la diversité des enseignements, les enseignements expérimentés première année, la multiplication des secteurs, et donc à un moment donné, de savoir comment on fait cohabiter tout ça pour que tout le monde ait le sentiment d'appartenir au même ensemble qui est l'école des arts décoratifs. Alors, juste pour rappel de ce que je dis, c'est nouveau pour vous, les organisations avant 68, il faut avoir présent à l'esprit que c'était une organisation par atelier. C'est-à-dire, l'élève, quand il rentrait dans l'école, il s'inscrivait dans un atelier. Et il faut savoir qu'il passait 3 ans dans cet atelier. C'est-à-dire, les premières années étaient avec les deuxièmes années et les troisièmes années. Et souvent, en fait, c'est le troisième année qui formait le deuxième année, le première année. Donc ça, c'était le système. Ouais, c'est un système, en fait, ancien, qui était le système qui a prévalu aux Beaux-Arts aussi, système d'atelier, vous rentriez dans un atelier. Et c'est dans l'atelier que vous acquériez votre formation, non seulement par rapport à la correction du prof, mais surtout par rapport à la correction de vos camarades. En plus, les premiers faisaient le boulot qui n'était pas intéressant, que les troisièmes années avaient à faire, et ainsi de suite. Donc, tout le monde apprenait en fait en partageant tout ça. Donc ça avait quand même des vertus assez intéressantes. Donc, il y avait des enseignements généraux qui étaient à côté de ces ateliers. Les ateliers avaient souvent lieu l'après-midi et les enseignements généraux le matin, et puis quelques enseignements généraux mixtes au début des ateliers, etc. etc. Hein? Donc, l'enseignement principal, en fait, c'était le dessin et l'expression plastique, en fait, qui avait lieu pratiquement tous les matins. Donc, tous les matins, on faisait du dessin ou du modelage. On faisait de l'anatomie, c'était des cours ponctuels qui avaient lieu une fois ou deux par semaine, de la géométrie de la perspective, il y avait des notions de construction qui étaient données en première année, puis construction, donc des niveaux un peu plus élevés après, et il y avait de l'histoire de l'art. Donc, les ateliers reposaient donc sur des niveaux d'apprentissage différents. En première année, on faisait plutôt des projets en 2 dimensions, la décoration plane. En 2e année, en 3 dimensions, on commençait à esquisser du mobilier. Et en 3e année, en fait, vous faisiez des aménagements d'espace. C'est-à-dire que vous voyez que le projet se complexifiait, en quelque sorte. Et en quatrième année, là, vous faisiez un projet personnel. Un projet personnel qui, au départ, était un projet plutôt d'architecture intérieure, mais c'est là qu'intervenait pour l'élève la possibilité de faire d'autres projets, c'est-à-dire, en fait, des projets comme graphiques, peinture décorative, ce que j'ai mis, orfèvrerie, joaillerie, ferronnerie, céramique, tissu, papier peint, c'est-à-dire en fait, en quatrième année, des professionnels, souvent venant de l'extérieur, prenaient les élèves pendant 3 mois et les suivaient sur un projet de tel ou tel domaine, ce qui permettait aux élèves d'acquérir finalement des compléments de formation dans ces domaines-là. Donc ça, c'était la formation avant 68. Là, je vous ai montré un emploi du temps pour que vous ayez une idée comment ça se traduisait. Vous voyez, j'ai différencié en 3 couleurs, parce qu'on va les retrouver après pour vous expliquer un petit peu les logiques d'enseignement. En jaune, c'était dessin, expression plastique. Vous voyez, c'était pratiquement tous les matins. Il y avait injecté, en fait, des éléments de connaissances scientifiques et techniques, hein, comme notion de construction, vous voyez, ponctuellement. Et puis autrement, il y avait les ateliers plutôt l'après-midi. Tout ça fonctionnant sur 6 jours, par 6 jours par semaine. On travaillait le samedi matin. Donc ça, c'est... Voilà. Donc sachez, avant 68, voilà quel était le fonctionnement, et voilà donc ce qui a été mis à plat en 68. Donc après 68, donc une nouvelle organisation a été mise en œuvre, et ça a été construit par les intéressés eux-mêmes. Pendant une année, de 68 à 69, des groupes de travail ont fonctionné, visant donc à mettre sur pied ce programme d'études qui a été développé à la rentrée de 69. Donc,
le modèle qui a été retenu, c'est un modèle universitaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas 3 années plus 1 année, on a 2 cycles. On a un premier cycle et on a un deuxième cycle. Et les 2 cycles sont séparés. Le premier cycle a une vocation générale et pluridisciplinaire. Et dans ces enseignements généraux et pluridisciplinaires, on peut distinguer trois ensembles d'enseignements. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel ensemble d'enseignements qui a été créé, dont vous a parlé Alexandra tout à l'heure, qui sont les enseignements expérimentaux dans lesquels on met AEV, appréhension des espaces vécus, FFE, fonction des formes et des espaces, c'est-à-dire des enseignements analytiques pour donner un statut et une définition à ce qui est l'espace, à ce qui est le rapport qu'on a avec l'environnement dans lequel on est, avec les objets, comment les objets se structurent les uns par rapport aux autres, et au niveau des images, finalement, comment fonctionnent les modalités de représentatives qu'on peut mettre en œuvre pour restituer l'expérience qu'on a de la réalité. Est-ce qu'on utilise des mots? Est-ce qu'on utilise des signes? Est-ce qu'on utilise des symboles? Est-ce qu'on utilise des images? C'est-à-dire que là aussi, il y a eu toute une analyse. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, c'est un peu dans la mouvance sémiologique ou structuraliste qui était un élément marquant de ces années 60. Donc on retrouve en quelque sorte les outils intellectuels qui étaient ceux de l'époque. Et puis il y avait un deuxième ensemble qui sont les enseignements de dessin et expression plastique qui continuent. Et puis les enseignements scientifiques et techniques dans lesquels on reprend ce qui existait comme la perspective et dans lesquels finalement s'introduisent de nouvelles composantes comme morphologie-structure. Morphologie-structure, en quelque sorte, faisant le lien entre les connaissances tridimensionnelles qu'on peut avoir des formes avec finalement l'expérience qu'on a de la construction des objets en FFE. Puisque finalement, un plasticien, quand il construit quelque chose, il utilise des matériaux qui ont un certain nombre de propriétés qui sont à la fois physiques et qui sont à la fois tridimensionnelles par rapport au fait que l'espace fonctionne selon ces coordonnées-là. Donc ça, c'est les trois nouveaux ensembles d'enseignements qui ont constitué donc le premier cycle. Et le deuxième cycle, en fait, le deuxième cycle, lui, était spécialisé. C'est-à-dire que dans le premier cycle, on ne se préoccupe pas de savoir quels sont les domaines d'application dans lesquels ces savoirs vont être utilisés. Que ce soit le graphisme, le design, l'architecture, la scéno, ça n'intervient pas. C'est-à-dire, en fait, c'est un savoir, c'est pour ça qu'il est généraliste, c'est-à-dire qu'il ne préjuge pas les applications que vous allez faire de ce savoir-là. En revanche, en deuxième cycle, c'est tout le contraire. Ce qui constitue le point d'ancrage, c'est de savoir à quoi on va essayer de répondre. Est-ce qu'on va construire des espaces? Est-ce qu'on va construire des objets? Est-ce qu'on va produire des images, des scénographies, des films, enfin, bon, des objets? Et pour quelle finalité? À quoi va-t-on répondre? Donc là, l'enjeu, il est d'abord social. Et donc là, du coup, on a autant de secteurs qui ont de finalité sociale, c'est-à-dire de catégories professionnelles qui existent dans la vie sociale. Avec l'interrogation qui était aussi un élément important pendant cette période-là, qui était de considérer que la société allait comme ça, mais qu'elle pourrait être autrement. C'est-à-dire que le découpage professionnel, bah, il est comme ça aujourd'hui, mais il est susceptible d'évoluer. Donc, ne nous enfermons pas par rapport à la façon dont les gens qui exercent la profession envisagent leur profession. Cette profession, elle est susceptible d'évoluer. C'est-à-dire qu'à la limite, un architecte intérieur qui dirait « moi je ne m'occupe », mais qui voudrait être designer, ben oui, il peut très bien être designer. D'ailleurs, les architectes intérieurs sont aussi bien designers. Donc, si vous voulez, les savoirs ne sont pas étroitement limités au découpage professionnel tel qu'il existe à un moment donné. Et donc ça, ça a été aussi, par rapport à ce découpage-là, une interrogation qui a fait dire « mais c'est abusivement découpé notre affaire ». Et en plus, on ne circule pas bien d'une chose à l'autre. Donc, moi, c'est à ça que j'ai été confronté, c'est-à-dire à la fin des années 70, moi quand je suis arrivé à l'école, c'était ça qui était en cœur. Il y avait des secteurs qui existaient, parce que par exemple, la communication dont on vous a parlé tout à l'heure, finalement, renfermait des sous-spécialisations en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y avait l'animation, il y avait l'illustration, la photographie. Photo, ouais. Voilà. Et en fait, la photographie s'est dit, mais nous, on a une pratique originale, donc on veut exister à part entière. Hop, hop, nouveau secteur.
L'animation, pareil. Moi, ils nous enquiquinent, les graphistes, ils veulent qu'on appelle de la typo, nous, on n'a pas besoin de ça. On a, en revanche, on n'a pas d'enseignement qui nous permette de comprendre qu'est-ce que c'est que le mouvement. Donc, nous, on veut d'autres enseignements à côté des nôtres. Voilà. Bon. Donc, à ce moment-là, ils ont fait ces sessions. En plus, dans l'animation, c'est l'émergence de la vidéo. La vidéo, finalement, image en mouvement, c'est dit, ben, moi, je suis bien avec, plutôt avec les animateurs qu'avec les autres. Et en fait, se sont constitués avec les autres. Donc, un certain nombre de nouveaux secteurs, c'est organisé comme ça. D'ailleurs, idem pour le vêtement. D'ailleurs, au départ, Talon avait demandé à Christina Balavant, qui était une prof de vêtements à Varsovie, qui adoptait une démarche, en fait, qui était celle du design, de venir enseigner le vêtement, enfin l'application du design en vêtements pour les élèves de design. Et puis notre Christina Balavant, enfin, qui était une personnalité très forte, nous dit le vêtement, c'est une réalité à part entière. Donc du coup, elle a fait exister son secteur à part entière. Et il y avait déjà du textile un petit peu avant qui existait déjà. Et on s'est dit, tiens, le textile et le vêtement, c'est du tissu, ça peut peut-être aller ensemble, ils n'ont jamais pu aller ensemble. Bon, donc ça fait des secteurs qui, comme ça, étaient segmentés les uns par rapport aux autres. Donc, l'emploi du temps en premier cycle, en fait, vous voyez, je l'ai un peu schématisé, mais que pour vous voyez qu'il y avait ces trois grands ensembles, il y avait des matinées de dessin, expression plastique, histoire de l'art, donc perspective couleur, etc. Et en deuxième cycle, on avait à nouveau, en fait, le dessin qui existait toujours, et puis on avait les enseignements de spécialisation à l'intérieur duquel, et là je ne vous les ai pas représentés parce que ça alourdirait inutilement, où on avait des enseignements spécifiques. C'est-à-dire en graphisme, on avait de la typo, on avait analyse d'image, enfin on avait des choses qui étaient spécifiques. Donc les réajustements, en fait, qui ont été opérés, en fait, dont moi je me suis occupé pour essayer de répondre à un certain nombre de contraintes. Là, je ne suis pas rentré dans les détails, il y a deux ensembles de problèmes auxquels il fallait apporter des réponses. D'une part, éviter de marquer ou de continuer à marquer la discontinuité entre les deux cycles. C'est-à-dire que là, vous voyez, on avait un premier cycle pluridisciplinaire suivi d'un deuxième cycle spécialisé. Et en fait, on avait une opposition entre les généralistes et puis les professionnels, en quelque sorte. Donc, ce n'était pas très simple. En plus, les élèves, en deuxième année, ils avaient le sentiment de refaire ce qu'ils faisaient en première année. Ils aspiraient, ils voyaient la spécialisation qui était devant eux et qu'il fallait encore attendre un an pour y aller. Donc, en fait, il y avait un certain nombre de tensions qui se créaient à cause de ce palier qui était trop marqué entre les deux secteurs. Et puis, autrement, les secteurs étaient trop dispersés. C'est-à-dire, en fait, il y avait par moments des enseignements qu'on retrouvait d'un secteur à l'autre, et qu'on redoublait, ou des enseignements qui auraient pu être accessibles à certains qui ne l'étaient pas. Donc, c'était une mauvaise gestion, en quelque sorte, de nos ressources pédagogiques. Donc, l'idée, c'était, en quelque sorte, de rassembler tout ça, de réarticuler tout ça. Donc, c'est ce qui a été fait dans la réforme, où, en fait, en premier degré, l'axe, finalement, qui articulait le premier degré, c'était des problèmes qui fonctionnaient entre des problèmes de perception, c'est-à-dire qu'on partait de l'expérience individuelle pour dire comment j'appréhende le monde dans lequel je suis, appréhendant le monde, comment je me représente le monde dans lequel je suis. C'était ça, en fait, l'ensemble des préoccupations qui structuraient l'organisation de la pédagogie du premier cycle. Et en fait, ces deux ensembles-là, perception, en gros, en termes art plastique, c'est l'image. Et représentation, en fait, c'est le signe. Donc signe, perception c'est l'espace, je dis des bêtises. Perception c'est l'espace et la représentation c'est l'image dans laquelle il y a le signe. Hein? Donc en fait c'est espace et image qui structuraient le premier cycle. Donc ça on le gardait. Mais il fallait le retrouver dans sa continuité dans le deuxième cycle, finalement complété par une autre dimension qui est la dimension transversale. Qui est l'application sociale. C'est-à-dire qu'en deuxième cycle, on se pose les problèmes d'espace et les problèmes de représentation en fonction de finalités sociales. Donc, si vous voulez, l'axe vertical recoupe l'axe horizontal. Et d'une certaine façon, l'ensemble des secteurs de l'école s'organise autour de ce qui devient quatre ensembles. Donc, ça a contribué à créer, dans un premier temps, quatre secteurs.
un secteur qui était un secteur image, opposé à un secteur espace, qui était celui, en fait, qui sous-tendait le premier cycle, et puis un deuxième secteur qui était, en termes de finalité, un secteur art, dont le souci principal serait simplement l'expression ou la création, indépendamment de contraintes d'application sociale trop fortes. En revanche, à l'autre pôle, on a un pôle d'application sociale qui domine, qui est celui du design. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de design si vous n'avez pas un problème social auquel vous avez à répondre. Donc c'est la commande sociale, c'est la contrainte sociale qui, d'une certaine façon, commande l'approche du problème. Donc en fait, l'école est commandée en fait par ces quatre ensembles. Ce qui permettait dans un premier temps, ça c'était en fait l'arrière-plan plus ou moins théorique, si vous voulez, qui permettait de justifier pourquoi on réaménage les choses comme ça. Donc, de repositionner les secteurs, c'est-à-dire ça a été le moment où, en fait, on a réaménagé les secteurs en disant, par exemple, l'illustration qui était en communication visuelle, finalement, elle avait autant d'affinité avec la gravure, puisque finalement, elle utilisait la gravure comme moyen d'expression. Et en fait, l'image imprimée est devenue comme une espèce d'entité plutôt plastique, plutôt création en quelque sorte, donc du coup plutôt de ce côté-là, que la communication visuelle. Cinéma, animation, vidéo, de la même façon, c'est-à-dire c'est des secteurs qui se vivent à partir de l'intelligence de leurs moyens d'expression. C'est-à-dire que les animateurs essayent de produire des objets qui exploitent les ressources du moyen d'expression qui est le leur, en fait, de l'animation. Donc on fait un travail plastique, si vous voulez, en essayant de pousser le plus loin possible les ressources du moyen d'expression qui est celui de l'animation. Idem pour la vidéo, qui est un moyen d'expression, etc. Mais évidemment, tout ça, on peut le mettre au service de la communication aussi bien. Mais disons que le secteur, lui, se pensait de cette façon-là. Donc il se retrouvait de cette façon-là. Mais rien n'empêchait dans le temps qu'il se déplace. Hein? En fait, c'était ça l'idée. C'était que chacun comprenne qu'il est moins dans une case, qu'il est à un endroit qui est mouvant, parce que finalement, il est à l'intersection de problématiques de représentation, de création, voire de perception ou de conception, et que selon les questions qui se posent à un moment donné, il est plus à cet endroit-là qu'à un autre. Ce qui fait qu'il doit toujours être en alerte pour dire « peut-être que je peux partager avec mon voisin voilà. ». Donc c'était ça l'idée. C'était que chacun, au moins, essaye de faire l'effort, qu'il ne soit plus dans une case, mais qu'il soit dans un ensemble de relations qui sont toujours mobiles. Idem pour art espace, c'est-à-dire art espace, peinture, sculpture, évidemment, est de ce côté-là. Ben, vous pouvez très bien se retrouver plus du côté de l'espace ou de l'architecture intérieure ou de la scénographie, ce qui a souvent été le cas. Et le design industriel, dans lequel il y a design vêtements, design textile et mobilier. Mobilier, en fait, qui était en architecture intérieure, s'est individualisé pour considérer que, finalement, elle avait peut-être plus à voir avec une démarche de design qu'avec une démarche d'architecture. Ce qui se discute aussi bien. En tous les cas, aujourd'hui, par exemple, le mobilier fait partie du design industriel. L'idée, c'était que le vêtement fasse partie du textile ou le textile fasse partie du vêtement. Ça, c'est pas encore gagné. Mais qu'à la limite, la Céno puisse peut-être se reconvertir avec un espace. Enfin, tout est... Voilà. L'idée, c'est que chacun ne se sente plus en sécurité avec l'idée de se dire « j'existe une fois pour toutes » et non. Donc là, on est dans cette situation qui est provisoire. Donc c'était ça, en fait, le changement qui avait été apporté et qui a constitué, en fait, le nouveau programme qui s'est concrétisé par le fait que, par orientation, on a créé des enseignements communs. C'est-à-dire autour de la problématique. C'est-à-dire autour de la problématique espace ou de la problématique image. Il y avait des enseignements qui étaient communs entre ceux qui étaient en architecture intérieure et ceux qui étaient en scénographie. Ils suivaient le même enseignement. Par ailleurs, il y avait aussi la nécessité pour ceux qui étaient dans ce même orientation de partager par exemple des enseignements de construction qui étaient communs. D'ailleurs, on récupérait un certain nombre d'enseignements de cette nature-là. Et ce qui a été introduit aussi, c'est une nouvelle donnée qui, là, s'appelait diversification, en fait, qui sont des enseignements optionnels, c'est-à-dire c'était de donner l'obligation à chaque secteur de proposer à un secteur dans l'école un de ses enseignements. De façon qu'un élève qui est en,
en archives, puis suivre un enseignement de graphisme, par exemple. Donc voilà, l'idée c'était de faire en sorte que tout ça soit dans une mobilité, qu'il y ait un ancrage suffisamment fort pour que l'élève quand même se dissolve pas dans tout ça, mais qu'il y ait une dynamique qui permette d'entraîner les élèves les uns par rapport aux autres. Voilà. Alors, ce projet-là, bon, ça c'était ce qui a été retenu en 85, il n'a pas tout à fait existé comme ça, il existait comme ça pendant 4-5 ans, et puis après, en 90, en fait, il s'est simplifié, c'est-à-dire, en fait, il s'est segmenté entre images et espaces, parce que, en fait, l'idée d'art-espace était toujours ambiguë, c'est là où j'évoquais tout à l'heure, j'ai dit, mais art-espace, peut-être que c'est peut-être plus du côté conception, en définitive. C'est là où on dit, oh ben non, la pureté de l'art quand même, on va pas quand même... bon. Donc tout ça fait l'objet d'un certain nombre de débats. Au centre, en fait, dans mon schéma, là, c'est le dessin. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui reliait tout ça, tout le noyau, c'était le dessin et l'expression plastique. C'est-à-dire, moi, là-dedans, dans le dessin, il y avait des enseignements qu'on appelait expression plastique, dans lesquels il y avait tous les moyens d'expression qui existaient dans l'école, qui étaient censés être accessibles à tous les élèves. C'est-à-dire la peinture, la sculpture, la photo, la gravure, etc., tout ça devait être accessible. Parce que c'est à la fois quelque chose qui peut devenir une finalité, mais c'est d'abord et avant tout un moyen d'expression. Donc ce moyen d'expression, il devait être accessible à quelqu'un qui fait de l'architecture, aussi bien à quelqu'un qui fait du graphisme, etc. Alors, pour certains, ça a pu se faire, parce qu'en fait, la limite du schéma, c'est la limite technique. C'est-à-dire la capacité d'avoir des ressources suffisantes pour accueillir les élèves, pour que ce soit compatible avec l'emploi du temps, etc. Donc ça a été plutôt une gymnastique importante, dans un moment qui n'était pas facile, parce qu'on était en travaux à l'école, donc tout ça a été un peu compliqué. Mais à la limite, à l'école, ce qui importe, c'est de créer des dynamiques. Et finalement, la dynamique, moi, je l'ai trouvée assez intéressante. En fait, elle s'est continuée avec les adaptations dans les années 90, hein, que toi tu as étudié, puis en 2000 en fait moi je connais moins puisque je n'étais plus directeur des études à ce moment-là, et là il y a eu les 5 ans parce que l'école a dû s'adapter à la nécessité européenne, donc on a rajouté une année, les études se sont un peu transformées, il y a eu une première année pluridisciplinaire en fait de propédeutique si on peut dire, et puis après il y a eu 4 années en fait plutôt spécialisées, mais spécialisées en maintenant un certain nombre d'éléments qui sont dans ce schéma-là, c'est-à-dire les élèves vont à choisir des enseignements complémentaires, ça a été réappelé comme ça, c'est-à-dire à les choisir quand ils choisissent design, un enseignement en graphisme par exemple. Donc là aussi, d'éviter que l'école se recloisonne, ça c'est une préoccupation de l'école, c'est-à-dire d'avoir le sentiment qu'on est art déco avant d'être tel ou tel secteur. Voilà, donc voilà en gros, vous voyez comment toute la façon dont cette école est assez vivante en définitive. Et pas facile, parce qu'évidemment, il y a une multitude d'enseignements qui sont proposés. Et là, on arrive à peu près au bout de notre affaire. Bon, si vous avez des questions, bien sûr, nous sommes là pendant les 5 dernières minutes pour répondre. Oui. J'aurais des questions à vous poser. Une sur les apprenants. Vous les avez appelés élèves, ouvriers, étudiants. Mmh. Je voudrais savoir quel est le profil type de l'étudiant cubain, si c'est une majorité femme homme. Combien de temps il passe et quels sont les débouchés aujourd'hui? Oui. Et s'ils sont indépendants, s'ils sont à leur propre compte, ou s'ils sont salariés. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des passerelles entre le CNAP, Conservatoire national des arts et métiers, et l'INSAM? Des passerelles ou des... D'accord. Alors, pour la première question, elle est d'abord historique. Ils sont ouvriers au XVIIIe siècle. Oui, ça, oui. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ils sont autant élèves qu'étudiants. C'est-à-dire, élève, moi, je dis élève parce que, en fait, c'est l'idée qui me vient quand on est dans une école. Mais on est étudiant parce qu'on est dans un régime d'enseignement supérieur et donc c'est le régime étudiant. Donc voilà, ça c'est des petites nuances de vocabulaire mais qui n'ont pas de grande incidence. Sur la question de l'origine. Alors l'origine, depuis en fait les années 2000, avant... Il n'y avait pas de conditions pour rentrer à l'école, sinon d'être âgé de 17 ans. C'est-à-dire, en fait, que vous ayez le bac ou pas, vous pouviez vous présenter à l'école. Aujourd'hui, il faut avoir le bac. Et donc, vous passez un concours et vous présentez à l'école. Alors, en ce qui concerne l'origine, évidemment, la plupart, on fait des écoles préparatoires, ou on fait des enseignements à l'université, ou on fait l'école d'architecture, ou l'école Boulle, l'école du Perret, etc.
c'est-à-dire ont déjà fait une école, mais ceux qui, ayant déjà fait une école, ont passé suffisamment de temps dans cette école, ne rentrent pas forcément en première année, ils rentrent en troisième ou en quatrième année, je ne sais plus actuellement, en deuxième, enfin, ils rentrent en cours d'études, c'est-à-dire ils bénéficient des acquis de leur école, de leur école précédente. Et quand ils sortent de l'école, ensuite, les élèves, ils sont souvent indépendants, c'est-à-dire ils sont en profession libérale. C'est-à-dire un graphiste, bah, il peut travailler chez un autre graphiste, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il travaille dans une agence qui est déjà importante, où en fait il fait ses armes et il comprend un peu comment fonctionne une agence, et lui-même finit peut-être par créer son agence. Donc ça c'est vrai pour le graphisme, pour le design, pour l'architecture intérieure, pour les autres métiers. Ils peuvent être salariés aussi de grandes entreprises, oui. Ça arrive pour oui, par exemple, design et textile. Pour leur design et textile, par exemple à la RATP ou à la SNCF, ils ont des, ou chez Renault par exemple, là je vois il y a un étudiant qui est coloriste chez Renault, enfin un ancien étudiant qui est maintenant un professionnel. Donc voilà, les grandes boîtes en fait ont des agences intégrées et à ce moment-là ils peuvent recruter ces étudiants-là. Après, il y a eu tout un débat aussi sur l'accès à l'école, l'ouverture de l'école, puisqu'en fait, c'est quand même les étudiants qui intègrent l'école sont quand même issus d'une classe sociale favorisée. Donc, il y a eu à un moment donné, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont supprimé aussi le dessin à un moment donné comme porte d'entrée dans l'école, il y a eu la volonté d'élargir un peu plus, ouais. Ou de donner un peu plus de possibilités aux ouais. élèves Moi ça évidemment là, donc, c'est, d'intégrer l'école. J'ai un peu de mal mais bon mais moi, je crois que statistiquement c'est pas encore j'ai un exemple là, j'ai rencontré une jeune chinoise là, qui avait fait une ou deux années d'ailleurs d'école à Aix-en-Provence, qui avait fini par apprendre le français, qui se débrouille très bien en français, qui dessine très très bien, qui a déjà une certaine maturité. Pour moi, je voyais qu'elle avait tout à fait le profil pour rentrer à l'école sans aucun problème. Et en fait, elle s'est fait étendre parce qu'en fait, on lui demandait une dissertation d'une page. Là, je lui dis, c'est vrai que là, il y a un hiatus. Faire une dissertation pour quelqu'un qui déjà est capable de dénoncer quand même clairement mais des choses relativement simples, de réfléchir, d'articuler une pensée un peu sur je ne sais pas quel était le sujet, je me dis bah oui là c'est pas tout à fait égal quand même. Donc moi ça c'est quelque chose sur lequel je suis un peu réticent. D'ailleurs moi je suis quand même dans l'idée de voir qu'on sent quand un élève, même s'il est maladroit, qu'il a un sens du dessin. Ça on finit par expérience de voir ça. L'habileté ne compte pas, c'est la façon dont on campe le trait, comment il exprime ou pas quelque chose. Donc après, s'il a ça, il peut continuer à apprendre. Mais quand quelqu'un ne sait pas du tout quoi faire avec un crayon, là, moi, je trouve ça un peu plus compliqué. Mais, mais ça, c'est, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas participé à cette chose-là. mais je crois que j'avais demandé assez récemment où ils en étaient. D'un point de vue statistique, c'était pas prouvé que l'école s'ouvrait davantage. À mon avis, non, parce que le fait, c'est que moi, j'ai bien eu la première épreuve, en fait, parce que là, l'épreuve dont on parle, c'est la dernière, en plus. La première épreuve, c'est une épreuve qui se fait sur Internet, c'est-à-dire un sujet proposé, vous avez le week-end pour le traiter. Et c'est vrai que selon l'environnement dont vous bénéficiez, la façon que vous avez de pouvoir traiter le sujet n'est pas tout à fait le même. Quand vous n'avez pas les règles du jeu, vous ne savez pas dans quel environnement, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Et comme vous n'avez pas les règles du jeu, vous ne pouvez pas répondre correctement au jeu. Alors que quand vous êtes dans un environnement, ce qui fait des écoles préparatoires, où ils ferment toute l'école pendant tout le week-end pour finalement voir comment on peut travailler là-dessus, je trouve que c'est pas... Il y a une interrogation. C'est pour ça que j'ai dit, la question du concours, elle est importante, mais les conditions dans lesquelles ce concours définit ces épreuves, donc les critères qu'il met en place, sont également très très importants. Le souci étant pour l'école, moi, c'est quand j'ai quitté la direction des études début des années 2000, la question était ça, c'est on était sur une idée qu'il fallait savoir dessiner, qu'il fallait montrer des dispositions en dessin. Pas tellement savoir dessiner, d'ailleurs, c'est mal dit comme ça, montrer des dispositions en dessin. Et donc trouver des épreuves qui soient susceptibles de rendre compte de ça. On est passé à l'idée, avec évidemment, oui, c'est des dessins académiques, etc. Bon, ça se discute tout à fait. À
essayons de déceler un potentiel. Ah, déceler un potentiel, j'aime mieux vous dire que si pour déceler un potentiel, vous n'avez pas un minimum de capacité, le potentiel, il est difficilement accessible. Donc, cet acquis, de quelle nature est-il? À mon avis, s'il n'est pas de nature plastique, on n'est plus dans le domaine qui est celui de l'école, puisqu'on a une école d'art plastique. Voilà, c'est un peu ça la question. C'est pour ça que finalement, moi j'ai appris en fait, subrepticement, enfin incidemment, qu'on avait supprimé le dessin pour cette épreuve. Moi je ne pourrais pas m'en plaindre, puisque c'est ma discipline. Donc moi je préfère avoir des élèves qui sachent s'exprimer que des élèves qui... Encore que ça ne m'a jamais gêné. Ceux qui avaient des difficultés de s'exprimer, on est là aussi pour leur apprendre qu'on peut faire des phrases simples, qu'on peut faire un schéma simple pour énoncer ce qu'on a à dire. Et voilà, donc c'est pas pour moi l'essentiel. En revanche, quelqu'un qui n'a pas de sensibilité, qui n'est pas mon domaine, puisque moi c'est pas ce que j'enseigne. Mais on voit ça tout de suite au niveau des grands projets, ceux pour lesquels il y a une idée qui est intéressante, mais elle est mal foutue, elle est mal exprimée, etc. Et c'est dommage parce que du coup, elle tombe. Voilà. En même temps, peut-être pour conclure, parce que moi, j'enseigne à des prépas maintenant, et prépa public, j'insiste, pas privé. Bravo, Alexandre. Oui, non, mais il y a un côté un peu militant. Non, mais c'est vrai que c'est important, je pense, quand même, de le souligner. Mais c'est vrai que l'école des arts déco, c'est toujours le fantasme, encore, pour les étudiants, les jeunes. Et pour diverses raisons d'ailleurs, je pense que c'est par l'aspect comme ça prolixe des secteurs. Sans doute aussi, même si c'est peut-être pas ce qu'ils retiennent dans un premier temps, le concret, le professionnalisme qui peut déboucher. Et aussi beaucoup, je sais pas, ils sont très sensibles aux moyens. Pour eux, c'est très important d'avoir une école avec. Et c'est vrai que l'école des arts déco a des moyens considérables encore aujourd'hui par rapport à d'autres écoles, mais c'est ce qu'ils retiennent en premier. Et c'est ce qui colporte aussi les uns aux autres. Mais c'est parfaitement légitime. Moi, j'ai enseigné à l'université. Moi, je vois même pour faire un cours, moi, j'ai fait cours là en début d'année à l'université, je ne sais plus Paris Descartes. En fait, j'avais un mur comme ça, avec ça, et en fait, j'ai jamais pu projeter mes images. Alors j'essaie d'expliquer quand même, vous savez, moi ça repose sur des images, donc il faut au moins que mon écran, etc. Et j'avais pas d'écran. Et j'avais un beau rétroprojecteur qui était bien fixé au plafond, ça se projetait moitié sur le tableau, moitié sur le mur, et j'ai jamais réussi à voir ça. Et en plus, quand vous arrivez, il faut aller chercher, savoir où c'est ouvert pour avoir le truc, il faut l'installer, ça prend des minutes. Et les beaux étudiants, ils sont installés plus ou moins bien sur des chaises avec une acoustique qui est pas géniale. Ceux qui sont au fond, vous pouvez pas parler plus fort. Non, mais c'est surtout que ça requiert pas trop de matériel, mais plutôt certains cours. Moi, je le vois bien en prépa, ils sont obligés d'acheter leur carton. Voilà, c'est très important aussi qu'une école puisse fournir aussi tout ça. Non, c'est vrai que l'école fournit, et puis, elle a, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a 2400 ou 2500, je ne sais pas, et puis on en prend 70-80. C'est très dur. Donc, rien que ça, ça fait tout de suite une phobie terrible, quoi. Voilà. Mais ceux qui rentrent sont pas... Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Je dis qu'on en laisse passer à côté qui sont extraordinaires. C'est un peu dommage, quoi. Ah, ils sont récupérés par d'autres. Beaucoup vont à Strasbourg. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, c'est ce qu'on peut se dire. Mais je pense qu'il y a aussi ceux qui sont découragés, qui s'en vont, c'est pas ce qu'ils deviennent, etc. Bon, enfin, ceci dit, c'est comme ça pour tous les jeunes dans tous les domaines maintenant. Hein. Même pour vous. Si je peux me permettre... Votre exposé m'a beaucoup fait penser à une phrase concernant le dessin qui a été formulée il y a de nombreuses années par Paul Landowski, le célèbre sculpteur. Lui, justement, voulait remettre aussi, cette question a toujours été d'actualité, hein. Là je parle dans les années 30, il voulait remettre le dessin au cœur de l'enseignement des beaux-arts, donc pas des arts décoratifs, mais les problématiques sont les mêmes. Et il disait qu'en fait, le dessin était le langage universel des artistes et de la création. Et en fait, même si on a des choses à dire, si on n'a pas ce moyen pour s'exprimer, ou d'autres, hein, on a évoqué les autres propositions plastiques, on ne peut pas s'exprimer, et donc il n'y a pas la possibilité, même si on peut déceler une envie, de la traduire et de développer des talents en apprenant des techniques complémentaires et autres.
Donc voilà, c'est le langage universel de l'art. En fait. Mais oui, mais moi je partage ce point de vue. J'ai pas forcément l'arrière-plan esthétique de Landowski. Non, je dis ça parce que Landowski, c'est celui qui a supprimé l'architecture à l'école. Alors évidemment, on le porte pas forcément dans son cœur. Non, non, parce que ce débat, moi, les élèves sont partis aux Beaux-Arts, en fait. Ouais. Ils sont pas partis dans la nature. Hein. Les Beaux-Arts sont allés aux Beaux-Arts. Oui, peut-être, mais en fait, les Beaux-Arts aussi ont une politique un peu différente maintenant. Ils jouent un peu l'international sur les... sont déjà des gens confirmés, etc. C'est un peu bizarre. Ceci dit, depuis le moment où, en fait, à 68, c'est le moment aussi où se sont multipliées les formations artistiques dans les provinces. Avant, c'était beaucoup plus opposé. Il y avait Paris, et puis il y avait quelques petites choses dispersées en province. Maintenant, quand même, on peut considérer que le territoire français est correctement couvert par l'enseignement des beaux-arts, enfin, des arts. Après, juste, il ne faut peut-être pas avoir peur de dire que les étudiants vont être laissés libres à eux, dans la nature. Parce qu'en fait, moi, qui suis quand même très très proche des artistes contemporains et des tout jeunes, beaucoup ont peur aujourd'hui de cette ultra-professionnalisation des écoles, ultra-spécialisation, et ça, je pense qu'on ne l'évoque pas là, mais c'est un vrai problème, et de ce formatage des écoles. On a un énorme formatage en prépa, ça c'est incroyable, parce que quand vous faites les jurys d'intégration, ben, vous voyez exactement, pour certaines écoles prépa, c'est vraiment troublant, quoi. Ce sont les mêmes dossiers, les mêmes exercices, et aucun. Enfin, peut-être les professeurs le font, mais en tout cas, les élèves n'entendent pas cette capacité à dépasser l'exercice. Et voilà. Et en fait, moi, je vois vraiment la génération qui a aujourd'hui 25-30 ans, parfois, ou même plus jeune, se disent, mais finalement, est-ce qu'on va faire une école? Et je pense qu'en fait, les écoles, ils ont tué dans l'œuf ce qu'ils avaient mis en place, en fait. Donc là, on est en train de revenir... Enfin, à mon avis, c'est une vraie perspective pour l'avenir des écoles aujourd'hui, de voir comment aussi... comment les étudiants peuvent se former autrement. Alors, dans d'autres disciplines, moi, mon frère a fait l'informatique, rien à voir, mais dans son école, par exemple, on lui apprenait à être complètement autonome par rapport à ce qu'il trouvait sur Internet. Et c'était il n'y avait pas de pédagogie, c'était vraiment ce rapport-là, en fait. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a des choses, enfin, là, très intéressantes à... Parce que là, on a parlé du passé, mais je pense que... Ça, c'est votre sujet, plus ou moins. Non, j'ai pas compris ça, que l'ensemble de cette année, c'est la réflexion que vous pouvez avoir sur la pédagogie de l'art aujourd'hui, c'est ça? Donc, vous allez nous donner des axes de réponse. Merci beaucoup. Des questions? Vous avez encore 3 minutes? Oh, ben... Non, juste pour... deux questions, mais ça va être rapide. Les raisons de la disparition, enfin la suppression des écoles machines. Et après, justement, vous parliez de la période de l'éclatement des écoles en province. Cette période de 68-69, où il y a eu une ébullition, est-ce qu'il y a eu des liens avec les UP d'archi qui elles aussi ont réfléchi? Est-ce qu'il y a eu des connexions entre les gens? Oui, en fait, c'était une période d'effervescence où il y avait des liens avec l'université. C'est-à-dire que nous, c'est à la faveur de ça que des liens ont été faits avec Paris 1, où il y a eu la création, en fait, de l'UER d'art plastique, ouais. Rue Saint-Charles, etc., qui s'est continué après avec des liens au niveau d'un troisième cycle qui a été amorcé entre l'école et les arts déco. Avec les écoles d'architecture, je ne sais pas trop, mais sans doute, puisque, en fait, pendant la période de 68, il y avait l'atelier aussi... des Beaux-Arts, non mais l'atelier des Beaux-Arts entre la sérigraphie, parce que ceux des Beaux-Arts sont plus connus, mais
Ceux des Arts Déco étaient également présents, vous savez, toutes les affiches qui ont circulé pendant ce moment-là. Et puis, il y avait à travers les syndicats étudiants, finalement, un tas de relations, parce que beaucoup de réunions de syndicats étudiants se faisaient à l'école, au premier ou au dernier étage, en fait, selon les obédiences, selon les, etc., enfin, des anarches jusqu'aux communistes, en passant par je ne sais pas quelle ligue, etc. Enfin, il y avait énormément, en fait, c'était le moment où ça se faisait moins de façon institutionnelle qu'à travers les intéressés eux-mêmes. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Et beaucoup, d'ailleurs, sont venus, ou les profs, etc., par ce biais-là. Enfin, d'ailleurs, certains qui se sont retrouvés à être dans les groupes de travail, c'est dans cette configuration-là. Et sur le diplôme en 41, en fait, c'est la vieille rivalité avec l'École des Beaux-Arts, qui fait que l'École des Beaux-Arts voulait protéger son diplôme des PLG. Et en fait, pendant toutes les années 20-30, elle n'a cessé, en fait, de livrer bataille contre l'école quand l'école, finalement, a créé son propre diplôme. Parce qu'en plus, dans les années 20-30, c'était une période, d'un point de vue économique, un peu difficile, où effectivement, la rivalité devenait plus aiguë, puisqu'il y avait moins de travail. Et tout l'effort de l'académie, ça a été, en fait, de s'approprier le diplôme et le monopole de ce diplôme, indépendamment le fait qu'on... Ils ont quand même permis la création de l'école spéciale d'architecture parce qu'il y avait une incompatibilité entre un tel et un tel. Enfin, je ne sais plus très bien, vous pourriez regarder ça. Mais en tous les cas, de la part de l'école d'architecture, de l'académie, il y avait l'idée d'une part de supprimer l'architecture et d'autre part d'annexer l'école parce que l'école a été annexée en 41. C'est-à-dire qu'elle n'a pu exister comme établissement indépendant, elle s'est trouvée comme étant une des composantes de l'école des Beaux-Arts. Et en fait, l'école a disparu de 41 à 43, et en 43, parce qu'il y a eu en fait une réaction de la part de l'association des anciens de l'école avec un certain nombre de profs de l'école, et on fait une démarche plus formelle auprès non plus de Landowski qui était directeur jusqu'en 1943, mais de son successeur qui était Tournon, qui lui n'avait pas de visée aussi systématique que celle de Landowski, eux qui finalement a dit bah, écoutez, si vous tenez à vraiment rester, bon pourquoi pas, en fait ça s'est terminé comme ça. Et je pense qu'en 1943, l'état d'esprit ne devait pas tout à fait être le même au niveau de peut-être, enfin voilà. Mais ça, il faudrait que quelqu'un travaille d'une façon un petit peu plus auprès des acteurs de l'époque pour savoir au niveau de la motivation. Moi, je connais que le résultat, les finesses de la motivation, je ne sais pas trop. En tout cas, je sais que lui, Landowski, lui, il était pur et dur pour que les Beaux-Arts finalement récupèrent tout, mais son successeur n'avait pas tout à fait ce point de vue-là. En revanche, après la guerre, l'architecture n'est jamais revenue à l'école. Voilà. Et en fait, après la guerre, l'école a été obligée de reconstituer son programme, ce qui avait déjà été préparé, en fait, parce qu'en 1943, le directeur qui avait été évincé en 1941 est revenu jusqu'en 1945, en fait, pour faire le lien, et en fait, a commencé à esquisser la façon dont l'école pouvait fonctionner. Avant la guerre, l'école, la durée des études était 3 ans et 5 ans en architecture. Et après, en 1945, les études étaient de 4 ans pour tout le monde, sur la base de ce que je vous ai montré au niveau de 3 ans plus 1. Voilà. Et en fait, comme le directeur était Léon Moussinac, qui était un résistant, un combattant, un communiste, et que les communistes avaient un poids assez fort après la guerre, finalement... avec cette idée d'éducation populaire, etc., parce que Léon Moussinex a été un de ceux qui développait le cinéma populaire avant-guerre, avec Louis Deluc. Donc, il avait une action, une écoute suffisante. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi le ministre de la Reconstruction en 1945, c'était Eugène Claudius Petit. Et Eugène Claudius Petit, c'est un ancien élève de l'école. Donc, ça a dû servir un petit peu aussi, j'imagine, pour faire en sorte que l'école soit à nouveau... voilà. Vous n'avez jamais voulu rétablir le diplôme? Les intéressés eux-mêmes. Parce que moi, je vois que je suis arrivé, c'est un des premiers dossiers que j'ai préparé, c'est de redemander au ministère. À mon avis, c'était un petit peu... Plus personne n'y croyait vraiment. On a, on a,
On a refait un dossier, je me souviens, en rappelant tout ce qui encadrait, qui était architecte, le dispositif, en disant, en rajoutant dedans. C'est-à-dire au moment où, en fait, il y a eu justement les écoles, la création des écoles d'architecture, les UP. C'est-à-dire, il y avait Gaëtan Picon, qui était directeur des arts et lettres à l'époque, qui était, lui, plutôt favorable, en disant, finalement, on est dans l'idée qu'il faut une variété au niveau des formations, et pourquoi pas cet angle d'attaque, etc. Puis finalement, ce qu'il faut voir, c'est que autant en 45-46, l'architecture était un pivot important, autant en fait dans les années 70, avec l'émergence du design, finalement l'intérêt s'était un petit peu déplacé. Je pense que ça a dû jouer, parce que finalement l'école s'est repositionnée moins sur l'archi que sur le design. Ouais. C'est une question de standing. Les architectes d'intérieur auraient un diplôme. Ben, ils ont un diplôme, mais qui n'est pas l'archi. Et qui n'est pas l'archi. Mais enfin, ceux qui veulent faire archi, apparemment, enfin, c'est-à-dire il y a aussi le fait que le secteur archi, qui était le secteur prépondérant dans les années 50, est devenu un secteur à côté des autres secteurs. C'est-à-dire les secteurs qui sont devenus prépondérants, c'est le design et le graphisme. En fait, le graphisme est devenu un élément extrêmement important, et le design aussi, parce que finalement, beaucoup de créateurs dans ces domaines-là sont sortis de l'école, et finalement incarnent d'une certaine façon... alors que l'architecture intérieure s'est un petit peu fondue dans tout ça. On vous abandonne, et réciproquement.